Est-ce que tu as des mots ce soir pour adorer ce grand Dieu? Est-ce qu'une femme, un homme peut élever sa voix et adorer le Dieu qui lui donne le souffle de vie, la paix, la grâce, l'élévation, la bénédiction, la protection, l'élévation, la distinction? Est-ce que quelqu'un peut élever ce grand Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Je ne te demande pas de prier pour moi. Je te demande d'apprécier celui qui a fait de toi ce que tu es. Je te demande d'honorer celui qui t'a mis là où tu te trouves. Est-ce qu'un homme, une femme peut élever sa voix ce soir et adorer ce grand Dieu, ce puissant Dieu? Même si tu as le cache-nez, adore le Seigneur dans ton cache-nez, s'il te plaît. Alléluia. 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 Est-ce que Christ peut lever sa voix et chanter Alléluia? On a l'impression qu'il n'y a pas les hommes dans cette salle ce soir. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Encore une fois. Disons Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains, adorons le Seigneur ce soir. Alléluia. 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 Ils sont allés, allés, allés. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter Alléluia? Alléluia. Disons Allé, Allé, Allé. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Gloire à Jésus. La gloire et l'honneur reviennent à Jésus ce soir. Gloire à Jésus. 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 Jésus. Est-ce que tu peux lever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce soir? Nous t'élevons, nous t'élevons, papa. Nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus, acclame. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Allez, alléluia, alléluia. Disons allez, alléluia, alléluia. Disons allez, disons alléluia, alléluia. Disons allez, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je dis alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, oh alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Un cri de joie, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pousse un cri de joie, acclame pour Jésus bien. Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus de Nazareth. Adorer le Seigneur est un privilège. La Bible dit qu'il est réservé qu'aux vivants d'adorer et de louer le Seigneur. Si tu n'as pas l'envie d'adorer le Seigneur, c'est un mauvais signe. Que tu es peut-être physiquement en vie, mais spirituellement mort. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Passons. C'est levé le jour. Jésus. Chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout disciple peut devenir un maître. Every disciple can become a master. Mais la condition pour qu'un disciple devienne un maître, the condition for a disciple to become a master, il doit apprendre de son maître. Is that he must learn from his master. Il y a quelque chose qui nous manque à l'église. There is something we are lacking in the church. C'est que lorsque Dieu nous met à côté d'un maître, when God puts us beside a master, on n'apprend pas. We don't learn. On choisit ce qui nous intéresse. We choose what interests us. Mais on n'apprend pas. But we don't learn. Pour demain ou après-demain, devenir aussi un maître. To be a master tomorrow. Je vais commencer ce soir par poser une question à chacun de nous. I would like to ask one question to each of C'est us. Une question qui est capitale et déterminante pour la suite de notre carrière. It is an important question for the future career. Carrière professionnelle, professional career, carrière dans les affaires, career in business, carrière politique, political career, carrière spirituelle. Spiritual career. Si tu peux répondre à cette question clairement, if you can clearly reply to this question, où tu écris, même tu fais un document avec ta réponse, to the point that you write your answer, je peux te rassurer d'une chose. I can reassure you of one tu as 60% de chances pour réussir dans ta vie. You have 60% of chance to succeed. La question est une question simple que nous connaissons the tous. Question is a simple question we all chaque know. Fois que tu commences à faire quelque chose, every time you start doing something, chaque fois que tu veux faire quelque chose, every time you want to do something, chaque fois que tu te retrouves quelque part, every time you are somewhere, chaque fois que Dieu te met à côté d'un grand, every time God puts you next to la question que tu dois te poser, the question you must ask c'est yourself, qu'est-ce que je veux? What do I want?
Si tu peux répondre simplement à cette question, you can simply reply to that question, tu comprendras que tous tes désirs, you get that all your desires, toutes tes ambitions, all your ambitions, toutes tes émotions, all your emotions, tous tes sentiments, all your feelings, seront contrôlés will be controlled par ce que tu veux. By what you want. Beaucoup d'enfants de Dieu many children of confondent God tout à la fin. Confuse everything at the Il y a end. Des gens, there are people, ils disent qu'ils veulent le travail, they say they want mais ce n'est pas job, le travail qu'ils veulent, but they don't want the ils job, veulent un salaire. They want a wage. Il y a une différence entre quelqu'un qui veut un travail a difference between somebody et wants quelqu'un a, qui veut un salaire. And somebody wants a wage. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de travail juste. Some people don't need mais ils job, veulent un bon travail. But they want a good job. Il y a des gens qui veulent le travail. Others want the job. D'autres veulent un bon travail. And others a good job. D'autres ne veulent pas simplement un bon travail. Some don't simply want a good job. D'autres veulent être bien positionnés dans le travail. They want to be well positioned in the job. C'est pour ça que tu verras des personnes. That's why you see some people faire 10 ans dans le travail. Spending 10 years in the et job ne pas être gêné que ça ne change pas. And feel not parce que la position ne les intéresse pas. Because they're not interested by position. Quand ils ont commencé à travailler, when they started working, ils n'avaient pas des ambitions. They were having no ambition. De décrocher le gros lot. Of having the big, si tu sais ce que tu veux, if you know what you tes want, émotions, your emotions, tes sentiments, your feelings, tes ambitions, your ambitions vont te conduire will lead you vers ce que tu veux. Towards what you want. Tu as fait l'école you have studied pour avoir les diplômes to have degrees, ou bien pour, être, pour dire que tu es intellectuel. Or to say that you're intellectual. Tu as fait l'école have you studied pour dire que tu es intellectuel, to say you're intellectual ou bien pour avoir un travail. Or to have a job. Tu as fait l'école have you studied pour avoir un travail to have a job, ou bien pour réussir grâce à ce travail. Or to succeed because tous of ceux job qui ont le travail n'ont pas réussi dans la vie. All those have job have not succeeded in life. Tous ceux qui ont le salaire n'ont pas réussi dans la vie. All those have wage have not succeeded in tous life. Ceux qui ont les diplômes n'ont pas réussi dans la vie. All those have degree have not succeeded in life. Tu verras quelqu'un te dire we see somebody telling mon rêve c'est de voyager. My dream is to travel. Enfin, tu veux faire quoi en Europe? What do you want to do in Europe? Tu veux faire quoi aux États-Unis? What do you want to do in United plusieurs States? Ne savent pas. Many don't know. Et quand ils se retrouvent là-bas, and when they are there, la chose qu'ils font, the thing they do, ils se laissent entraîner par ceux qui savent ce qu'eux veulent. They are being led by those who know what they want. Quand tu sais pas ce que tu veux, when you don't know what you want, tu seras entraîné par ceux qui savent ce qu'eux veulent. You'll be led by those who know what they want. Beaucoup d'enfants de Dieu, many children of God, vont même dans les églises, not even to churches, sans savoir ce qu'ils veulent, without knowing what they want. On ne prie pas pour prier. You don't pray just to on pray. On prie avec objectif. You pray with objective. On ne lit pas la Bible pour lire. You don't read the Bible just to ceux read. Qui sont ici depuis savent que those who are here since know je that vous avais dit que le premier message de Jésus I told you the first message of était Jesus un message ciblé. Was having Jésus targets. N'a pas pris tous les livres d'Ésaïe, he didn't read all the book of tous les livres d'Ézéchiel, all the book of Ezekiel, tous les livres de Jérémie, all the books of Jeremiah. Et pour commencer à lire, to start reading, Jésus a choisi Jesus chose le prophète qui parlait de lui. The prophet was talking about et c'était him. Qui ce prophète? Who was that prophet? Ésaïe. Isaiah. Et dans ce qu'Ésaïe disait, what Isaiah was il y a des saying, choses qui ne le concernaient pas. Things that were not concerning il a cherché he sought ce qui le concernait. What concerned him. Chaque fois que tu fais quelque chose, every time you do something, chaque fois que tu arrives quelque part, every time you get somewhere, en dehors de te poser la question, except questioning yourself, qu'est-ce que je veux, what do I want, il y a une deuxième question à te poser. There is a second question ça you must ask. Ça pourrait même être la première. That could be the first. Qu'est-ce one que Dieu veut? What does God want? Écoute-moi. Listen. Dieu ne t'amène pas à la présidence. God doesn't bring you at the presidency. Parce que tu as beaucoup prié. Because you have prayed so much. Dieu ne t'amène pas à la primature. God doesn't bring you at the prime parce minister. Parce que tu as beaucoup jeûné. Because you fasted Dieu so much. Dieu ne te donne pas un bon travail. God doesn't give you a good parce job. Parce que tu es éloquent. Because you are eloquent. Il te le donne. He gives that parce to qu'il you veut quelque chose. Because he wants something. Au travers de toi. Through you. Le diable. The devil. Dans le ministère de Jésus, in Jesus' ministry, l'a rencontré une seule fois. Met him just once. C'était dans le désert. It was in the wilderness. Quand il partait prier. When he was going to après pray. Cela, after that, le diable ne pouvait plus rencontrer Jésus en face. The devil could no more encounter il Jesus passait in face. Par des mandatés. He was using those who were mandated. Il passait par ses missionnaires. He was using his missionaries. Parmi lesquels Judas. Among which Judas. Le diable a ses missionnaires. The devil has his missionaries. Dieu a ses missionnaires. And God his own. À la présidence. At the presidency. Dieu était missionnaire de Dieu. The missionary of God. À la primature. The prime minister. Au Sénat. Senate, à l'Assemblée nationale. National Assembly. Dans ce foyer. In that home, tu es en mission. You are in mission. En tant que missionnaire. As a missionary. Quel ordre de mission? What is the other mission? Tu vas échouer. You fail. Ou tu as déjà échoué. Are you already failed? Si tu prends l'avion. If you get sans a plane. Pourquoi tu voyages? You don't know why you are traveling. Dans un avion Air France. In an Air France. Il y a des vacanciers. There are some who go on holidays. Il y a des gens qui ont eu un visa pour partir chercher le mariage. Some have a visa to get married. Il y en a qui ont le visa pour partir en mission. Others have visa to go to mission. On peut être dans un avion 300 personnes. Can be the plane. On n'a pas les mêmes ordres de mission. You don't have the same orders of mission. On peut dans la même église. Can be the same church. On n'a pas la même mission. Without the same on mission. Peut dans la même famille. Can be the same family. On peut être jumeaux. You can be twins. Frères, sœurs. Brothers, mari et femme, husband and on wife, n'a pas la même mission. We don't have the same quelle mission est ta mission? What is your mission?
Tu ne peux pas commencer une saison sans écrire ta mission. Parce que c'est ta mission qui te permettra le jour où tu voudras abandonner. C'est cette mission qui va te remotiver. Le jour où on va vouloir te distraire. On va vouloir te perturber. C'est cette mission qui va te ramener sur le chemin. Écoute-moi bien, Église. Dieu ne te jugera pas par rapport à ce que les gens ont fait. Par rapport à ce que les gens ont dit. Par rapport à ce que les gens pensent. Dieu te jugera par rapport à ce qu'il t'a dit de faire. Tu regardes ma vie, tu regardes mon ministère, tu me critiques, en réalité ça n'a pas de sens. Concentre-toi sur ta vie, sur ton ministère, sur ton appel, sur ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres sont sortis de la mission. Beaucoup de leaders, beaucoup d'hommes d'affaires en Jésus sont sortis de leur mission parce qu'ils sont focalisés. Tu as vu l'autre, tu as vu son habit, tu as vu sa chaussure, tu as vu sa façon de parler. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Son témoignage, il y a un truc qui ne va pas. Something is wrong in her testimony. Ton témoignage est lequel? What is your testimony? Est-ce que tu sais que les réseaux sociaux, l'Afrique n'était pas prête pour les réseaux sociaux? Africa wasn't ready to welcome social media. Les réseaux sociaux nous ont surpris. Social media surprised beaucoup us. De personnes en Afrique. Many people in Africa. Plus particulièrement au Cameroun. In Cameroon. Même ceux qui vivent à l'étranger. Even those who live abroad. N'étaient pas prêts. We're not ready. À avoir même d'abord le téléphone. To have a phone. C'est devenu l'une des sources de distraction les plus importantes dans le monde. Become one of the most important sources of distraction lorsqu'on in the world. Lorsqu'on dit distraction, on peut penser que non, c'est pour ceux qui veulent se distraire par moment. We can think for those who want to distract Je at times. Je peux même utiliser notre mot, une source de détournement. A source of diverting. Des visionnaires. Of visionaries. Des leaders. Of leaders. Est-ce que vous savez Do you know que plusieurs parmi vous, that many among you, vos missions, your mission, vos objectifs, your objectives ont été détournés were diverted en prenant n'importe quoi, by taking any type of thing, n'importe qui, any type of person, pour idole, for, as pour idol, modèle, as model, parce que vous avez vu sur Internet. Because it's on Internet. La fille que tu suis, the girl you follow, l'homme que tu suis, the man you follow, la personne que tu suis, the person you follow, H24 sur Internet, every time on Internet. Est-ce que vous avez la même mission? Do you have the same mission? Quand on parle de mauvaises compagnies, ce n'est pas seulement les gens avec qui on marche. Bad companies are not only those with whom we go. Ce sont aussi les gens qu'on écoute constamment. But also those who listen constantly. Parce que ce que tu écoutes, because what you listen, ce que tu vois, what you see, ce que tu fréquentes, those you go with, détermine la direction que ta vie prendra. Direction your life will take. Que tu le veuilles ou pas. Whether you want it or si not. Si tu passes ta vie à suivre sur Snapchat, if you follow on Snapchat, sur Instagram, on Instagram, une personne, a person, qui te présente comment la vie est belle, presents you how life is beautiful, et ne te montre jamais comment elle a fait pour avoir cette vie belle. I never show you how she did to have that c'est beautiful life. Elle vous pousse à rêver. She pushes you to dream. Rêver. To dream. Rêver. Just to dream. Que tu le veuilles ou pas. Whether you want it or not. Inconsciemment. Consciously. Tu vas vivre dans le rêve. You will live in the dream. Parce que tes yeux jouent deux rôles. Because your eyes have two roles. Le premier rôle de tes yeux. The first role of your eyes. Tes yeux te servent de caméra. You use your eyes as camera. Ou trois rôles même. Or three roles. Le premier rôle de tes yeux. The first role of your eyes. Tes yeux te permettent de voir. Your eyes permit you to see. De filmer. To take et d'enregistrer shots, ce que tu as vu. And to register what you saw. Le deuxième rôle de tes yeux. The second role of your eyes. Tes yeux te permettent d'être éclairé. Your eyes permit you to be lighted. Jésus a dit que les yeux sont la lampe du corps. Jesus said the eyes are the lamp of the body. Et le troisième rôle des yeux qui va nous intéresser dans la suite. And the third role of the eyes that will interest us after. Pour vivre, réussir auprès des leaders. To succeed next to the leader. Tes yeux te servent de projecteur. Your eyes are like projectors. Il y a beaucoup de choses. There are many things. Que les gens reçoivent de toi. That people receive from you. À partir de tes yeux. As from your eyes. Il y a des leaders. There are some leaders. Qui à partir de tes yeux. Who as from your eyes. Savent que tu es quelqu'un de confiance. Know that you are trustworthy. Savent que tu es quelqu'un à qui on peut confier des choses. Know that you can be confide things. Et quand on te regarde dans les yeux. And we look at your eyes. On sait. We know. Si tu es quelqu'un qui va trahir. If you will betray. Ou si tu es quelqu'un qui va être loyal. Or be loyal. On parlera de ça tout à l'heure. We just talk about that in Mais minutes. Je suis en train de commencer en te disant. I'm starting by saying this. Tu veux quoi? What do you want? Tu veux quoi? What do you want? Dieu veut quoi? What does God want? Si les deux questions là.
If the two questions, tu peux répondre à ces questions. If you can reply to these two questions, tu as réussi à 80% de ta vie. You have just succeeded at 80% of your life. Moi qui ai fait les mathématiques. I have studied mathematics. Le secret pour réussir en mathématiques, il faut être concentré. The secret to succeed in mathematics, you have to be concentrated. On ne fait pas un exercice de mathématiques. You cannot do an exercise of mathematics. Ou de physique appliquée. Or physical. Ou encore de logique. Or logical. Si tu n'es pas concentré. If you are not concentrated. Et beaucoup d'enfants de Dieu. And many children of God. Sont dispersés. Are scattered. En une année, tu as 1000 projets. In 1 year, you have 1000 projects. Écoute-moi. Listen. Ce n'est pas le financement qui te dérange. Financing. Is not lacking. C'est la focalisation qui est un problème pour toi. But focalization, that is a problem for you. J'ai vu dans ma Bible. I saw in my Bible. Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. To God belongs. Toute God personne mandatée par Dieu. Every person mandated by God. Toute personne envoyée par Dieu. Every person sent by God. Dieu lui-même. God himself. Le finance. Finances him. Toute personne nommée dans un état. Every person appointed in the government. A des moyens d'accompagnement. Dans sa nomination. Has a necessary meaning in her nomination. Tu connais un ministre qui roule avec sa voiture? You know a minister who drives his car? C'est s'il veut. If he wants. Il a des voitures. But he has cars. De service. It is for his. Un ministre a une maison. A minister has a de house. De service. Tu connais les autres avantages? You know the other advantages. Ça c'est un ministre. That's for a minister. D'un pays. Of a country. Pauvre, très endetté. Very poor. Mais toi l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Are you the ambassador of God on earth? Quels sont les moyens et les mesures d'accompagnement que Dieu a mis à ta disposition? What are the means God has put at your disposal? S'il n'y en a pas, if there are not, c'est que tu n'es pas dans ta mission. It means you're not in your mission. Un pasteur m'appelle hier sur WhatsApp. Yesterday, pastor called me on WhatsApp. Un prophète de Douala. Prophet of Douala. Il est peut-être connecté ce soir. He is connected tonight. Il me dit papa. He told me daddy. J'ai cherché ton numéro fatigué. I sought your number. Parce qu'il avait mon numéro, mais il a perdu son téléphone. Because he had my number, but he lost his phone. Il a cherché fatigué, mais il dit tes fils m'ont tourné. Your son told me to come back. J'ai même dit, je voulais déjà aller à l'église à Douala là-bas pour leur demander, donnez-moi le numéro. I wanted to dispatch the church to ask them de l'homme de Dieu. Of the man of God. Et quand il m'appelle hier soir, when he called me yesterday evening, me dit rien ne va. He told me everything is not going well. Rien ne marche dans le ministère. Nothing is wrong. Je viens à Yaoundé pour que tu pries pour moi. I come to Yaoundé for you to pray for me. Pour que mon ministère décolle. For my ministry to go ahead. Je n'arrive même pas à payer une facture de 30 000. I cannot even pay a bill of 30,000. Il est peut-être connecté ce soir. He is connected tonight. Et ce que je vais dire va l'intéresser. What I will say will interest him. Il n'aura même pas besoin de se déplacer pour venir à Yaoundé. He will not need to displace to come to Yaoundé. Ce n'est pas la prière qui va changer sa vie. Prayer will not change his life. C'est le fait qu'il revienne dans sa mission. But the fact that he comes back in his mission. Ce que j'ai remarqué dans sa vie. What I noticed in his life. En même temps, il suit l'apôtre Suleiman. Follow Apostle Suleimanu. En même temps, il suit l'apôtre tel. He followed that apostle. En même temps, il a tel père à Yaoundé. He has that father in Yaoundé. Il a tel mère à Douala. Mother in Douala. Ils se disent que en mélangeant les pères et les mères et les prophètes et les pasteurs, on a plus d'onction. They say we're mixing all the ministers of God, we have more anointing. Sans direction. Without direction. Mélange les pasteurs. Mix all the pastors. Mélange les prophètes. Mix all the prophets. Tu n'iras nulle part. You will go nowhere. Dans le ministère, ce n'est pas les onctions ajoutées qui vous donnent la puissance. Ministry added anointing do not give you power. Plus vous êtes connecté à votre source. More you are connected to your principal source, qui est Dieu. Principal qui vous envoie en mission. Who send you in mission. Plus the more vous avez les ressources. You have resources. Si tu veux me faire échouer. If you want to make me les fail. Critiques ne vont pas me faire échouer. Critics cannot make me fail. Tu veux me faire échouer. If you want to make me fail. Faut me distraire. Distract me. Et vous réussissez à me distraire. So seek to distract me. Non, tu dois vraiment marcher encore. It's difficult. Quand tu es déjà dans la distraction. When you're already in distraction. J'ai fait une publication dans les groupes de l'église il y a quelques jours. Je rentrais de Douala. I posted in the group of the church a few days ago. Et l'objectif c'était de ramener les gens dans la concentration. The objective was to tell people to be concentrated. Et d'autres personnes ont plutôt trouvé le moyen pour me poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est encore passé? And others found the means to ask questions. Listen to me attentively. Soyez focalisés. Be focused sur ce que vous devez faire. On what you have to do. Et non sur ce que les autres font. And not on what others are doing. Le meilleur moyen pour échouer dans l'église. The best means to fail in the church. C'est de faire les amis et les copinages à l'église. Is to have friends in the church. Si tu veux échouer à l'église. If you want to fail in the church. Entre à l'église. Enter in the church. Commence à être ami avec tout le monde. Start being friend with everybody. Tu vas échouer. You will fail. Sois sympa. Be kind. Sois poli. Be polite. Mais ne sois pas ami. But don't be friends. Jésus devient ami avec ses disciples en quittant la terre. Jesus becomes friend with his disciples while leaving the earth. Pendant tout le temps, il marchait avec eux. All the time he was working with them. Ils étaient ses disciples.
They were his disciples. Après, il a fait des leaders. After he made them leaders. En les consacrant apôtres. By consecrating them apostles. Mais c'est quand il quitte la terre. When he leaves the earth. Il dit maintenant je vous appelle mes amis. Now I call you my friends. Parce qu'il voulait partir leur confier des secrets. Because he wanted to ascend and confide them secrets. On ne fait pas de n'importe qui son ami. You cannot make any type of person your friend. Parce que si tu fais de quelqu'un qui est perturbé mentalement ton ami, if you make somebody who is disturbed mentally your tu friend, vas devenir fou. You become mad. Comme lui. Like he. Parce qu'il est fou à l'église. Because he are mad in the church. Tu crois qu'il est normal? You think he's normal? Il ne sait pas ce qu'il veut. He doesn't know what he wants. C'est un perturbé. He's disturbed. On dit pauvreté. Poverty. Il dit amen. He says amen. On dit richesse. Riches. Il dit amen. He says amen. On dit échec. Failure. Il dit amen. He says amen. On dit réussite. Success. C'est un fou. He's a mad. Il y a beaucoup de personnes en veste qui sont folles. There are many people wearing the suit of mad. Elle a la désire, mais elle est folle. She has a grudge, but she's mad. Sa tête, ce qui a sur sa tête coûte cher. What is upon the head mais is expensive. Sa tête à l'intérieur est vide. But in the head, it is empty. Tu ne seras pas le premier à entrer dans les églises. You'll not be the first to enter in churches. Avant le numéro des prophètes. To have the contact of prophets. Ils ont fait ça avant toi. They have done that before ils sont you. Toujours pareils. They are still the et same. Sur place. And on the spot. Parce qu'ils sont fous. Because they are mad. C'est, la folie, c'est de suivre Dieu libre à la foi. Madness is to follow both two things. La folie, c'est de croire tout à la fois. Madness is to believe in everything. Une personne qui a des projets. A person who have projects. Focalise sur ses projets. Focus on her projects. Le seul fait de penser à un projet. The only fact of thinking about a the project. À la suite d'un projet. About the success seulement of a project. Seulement le niveau de concentration élevé. Only the level même quand of tu n'as pas Dieu, even when tu attires le succès. You attract success. Si les maîtres d'arts martiaux par concentration fendent les arbres en deux, if those master divide trees in two, ils n'ont pas Jésus. They don't have Jesus. Ils se concentrent, l'arbre se fend en deux. But they focus and they divide between two. À combien plus forte raison? How long time? Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, child of God with the Holy Spirit, qui se focalise sur son projet, who's focused on his project. Vous voulez savoir pourquoi Chapelle de la Grâce avance? You know what to know? Why Chapelle de la Grâce is going ahead? Concentration. Concentration. Tu viens ici? You come here. Tu es déjà vieux. You're already old. Mais tu n'es causerie des enfants. But you are discussing like children. Si tu ne sais pas si que tu es vieux. If you don't know that you are touche ta peau years, comme ça. Just touch your skin. Tu vois une mère. You see a mother. Dans les congos des enfants. Gossiping like children. À ton âge. At your age. Utilise ton WhatsApp. Use your WhatsApp. Pour qu'il soit productif. To be profitable. Pas pour critiquer ceux qui avancent. Not to criticize those who are moving forward. Regardez votre chef de l'État. Look at your head of state. Vous parlez de lui, vous l'insultez, vous le sabotez, le gars ne vous répond jamais. No matter how you talk about him, he never replies vous you. Finissez ça, il est toujours sur le trône. You finish always on the reign. Apprenez même aussi, non? Learn of him. Il réagit quand son trône est menacé. He reacts when his throne is threatened. Tant que son trône n'est pas menacé, il vous gère pas. As long as he's not threatened, he does not have toi, your tongue. Toi, ne t'as même pas menacé, tu réagis. You were not threatened, you react. Le fou t'insulte, tu réagis. The mad insult you, you react. Mon père m'avait dit un jour. My father has told me si one day. Si tu sors des toilettes du village avec la serviette. You should leave the toilet of the village with it. Et un fou arrache ta serviette. And the mad et tu pousses le fou. And you follow on va dire voilà deux fous. Yes, there are two. Si on arrache ta serviette, if your shit is seen, fuis dans la maison. Si tu veux le fou, va d'abord t'habiller. Go and dress first. Quand un fou t'attaque, et tu identifies que c'est un fou, identify he's a mad. On ne les appelle pas ennemis, on les appelle parasites. Don't call them enemy, but parasites. On ne combat pas les parasites. Don't fight parasites. On combat les ennemis. But fight the enemies. Je veux dire, on combat les adversaires. Fight the adversaries. Le parasite n'a pas d'objectif. Il a déjà échoué. Il veut que tu échoues comme lui. Mais l'adversaire sait que tu vas réussir. Il se place sur ton chemin pour t'empêcher de réussir. Ce genre de personne, la Bible dit, Dieu fait de ce genre de personne ton marchepied. Yes. Parce que quand tu as l'adversaire, tu montes sur lui, et ta vie monte. Tu montes sur lui, tes projets montent. Tu montes sur lui, tes affaires montent. Tu montes sur lui, ton ministère monte. Mais les parasites, tu les esquives. En 2008,
2008, Dieu m'a dit, Paul Zang, ne réponds pas à tout le monde. Reply to everybody. Regarde, look, je donne un conseil. Quelqu'un t'insulte sur Internet. Somebody insults you on Internet. Avant de répondre, before reply, sur son profil. Go on his page. Vous avez le même âge, have the same même age, niveau intellectuel, same intellectual même level, niveau social. Some social level. C'est à partir de là that, que tu peux déterminer you can determine si tu peux répondre. If you can reply or not. Ne réponds pas à tout le monde. Don't reply to everybody. Écoute-moi bien. Listen to me attentively. Dans ton lieu de service, in your job site, quel est ton objectif? What is your objective? Répondre à la secrétaire du boss. Blank to the secretary ou bien of the avoir boss, le cœur du boss. To have the head of a la boss. Secrétaire, the secretary, si c'est un parasite, mm, il faut l'esquiver. Yes. Si c'est un adversaire, il faut l'écraser. Amen. Tout le monde parle, tu parles aussi. Everybody talks and you talk. Sois concentré. Big focus. Oh, je vais quitter l'église parce que les gens de l'église, tu es venu faire quoi ici? Moi, je n'ai pas pu la réunion de famille parce que la famille, tu fais quoi dans ta famille? What are you doing in your family? Tu es mandaté dans ta famille. You are mandated in your family. Pour être Joseph. To be Joseph. Toi, tu peux commencer à te querer avec les gens qui n'ont rien à manger. Besides speaking with those who alors que tu as des projets, meanwhile, you have qui projects va recruter les enfants. That will engage your children. Tu as des cousins et des cousines là, inutiles. Some of your cousins are useless. Dès qu'on te dit, est-ce que tu as appris que ta cousine a dit? When you are told, have you learned your cousin said this? Tu commences à faire les statuts visés. You start talking. Et ce que j'aimerais vos statuts, c'est que tu publies, tu peux regarder qui a regardé. You post and you control who saw it. Que Dieu punisse le diable et sa tante. Amen. Que ta folie soit détruite dans ta tête. Amen. Arrête les faux statuts. Prépare-toi au travail. Investis. Après, tu vas publier un statut. Comment ton immeuble est en train de monter. Amen. Comment ta boutique est en train de monter. Amen. Comment tes projets sont en train de monter. Amen. Arrête les statuts visés des pauvres. Tu es pauvre. La personne à qui tu vises le statut est pauvre. Vous visez entre vous les pauvres. À la fin de l'année, vous êtes pauvre. Lui, c'est un statut visé. Vous allez me faire quoi? C'est ma page. C'est mon. Après ça, et puis quoi? Misérable. Écoute-moi. Listen. Quand tu arrives quelque part, when you get somewhere, quel est ton objectif? What is your objective? Dieu te met à côté d'un grand. God puts you next to a great man. Écoute-moi bien. Listen to me attentively. C'est le grand là qui est la source. That great man is the source. Ce ne sont pas les gens qui sont autour. Not those who are around. Aman avait un problème. Aman was having a problem. Il veut attraper le cœur d'Assuérus. He wants to hold the head of Sexes. Et pour cela, and for that, il perturbe tous ceux qui sont autour d'Assuérus. He disturbs all those who are around Sexes. Les ennemis dans votre lieu de service, the enemies in your job site, ils ont déjà attrapé le cœur du boss. They already held the heart of the et pendant boss, qu'ils vous perturbent, as they are disturbing vous you, vous concentrez sur eux you focus on them, et vous oubliez le boss. And you forget the c'est boss. Le boss qui paye. The boss is the one celui who qui pays. Donne les missions. The one who sends celui mission. Qui donne les primes. The one who gives et non la secrétaire. And not the secretary. Quand tu passes tes journées when you spend à your concentrer days, ton énergie to focus your energy, sur le collaborateur, sur le chauffeur du boss, on the driver of the boss. Parce qu'il y a des chauffeurs du boss qui sont même plus puissants même que les ministres. Because some drivers or boss are more powerful than ministers. Tu commences à envoyer le feu. You light je vous fire. Ai dit ici, quand tu arrives quelque part, when you get somewhere, on n'envoie pas le feu n'importe comment. Don't light fire anyhow. Le feu peut gâter tes affaires. Fire can spoil your tu as business. Besoin de la grâce. You need yes. grace. Le feu fire. Effraie. Scares. Et tellement vous envoyez le feu parfois les incendies dans les églises. You light fire so much that there are fires in churches. Daniel n'a jamais envoyé le feu. Never Daniel lighted the fire. Joseph n'a jamais envoyé le feu. Never Joseph lighted the fire. Esther n'a jamais envoyé le feu. Never Esther lighted the fire. L'arme que ces gens ont utilisée. The weapon those people used. Ce n'est pas la force. Was not the strength. Mais la sagesse. But the wisdom. Dans la grandeur, greatness, l'une des choses les plus importantes, one of the most important things, en dehors de la puissance, except the power, l'onction, anointing, c'est la sagesse. Is wisdom. Il y a des gens qui ont l'onction plus que nous, mais ils ne sont pas plus sages que nous. Some people have anointing more than us, but are not wiser than us. Avec la sagesse, with wisdom, avec peu, that with a little, on réalise beaucoup. Realize a lot. Pendant que tu attends le marché de 2 milliards, oh, you're waiting for the contract of 2 billion. Il y en a qui ont eu 2 millions. Some had 2 millions. Ils ont commencé à réaliser. And they started realizing. Joseph. Joseph. Avait eu une sagesse. La sagesse de Joseph. The wisdom of Joseph. M'a énervé. Has vexed me. Lorsque je parle de la sagesse, when I talk about wisdom, si tu veux réussir dans la vie, if you want to succeed in tu life, dois accumuler beaucoup de sagesse. You must add a lot of wisdom.
Une seule sagesse te permettra d'arriver à un niveau. Just one wisdom will enable you to reach one level. Et après, pour passer d'un niveau à un autre, il te faut une autre sagesse. To go to the next level, you need a next wisdom. C'est pour ça que dans l'avion, on parle des mentors. That's why we talk about mentors. Le rôle des mentors, c'est de prendre la sagesse qu'ils ont. The role of mentors is to take the wisdom. Et un homme de Dieu a publié en disant. A man of God posted what I say. Une personne sage. Person who is wise. C'est une personne qui copie des expériences des autres. Is a person who copies the experiences of others. Si Dieu nous a permis de faire, par exemple, les affaires. He got permitted, for example, to do business. D'atteindre un certain niveau dans la société. And to reach a certain level in society. De côtoyer un type de personne, to deal with certain kind of people, c'est de vous puiser dans leur vie, to join their life, et de venir vous dire comment ça marche. And to tell you how it works. Le jeune dynam qui est parti avec les lions, the young dynam who traveled with the team of lions, je lui ai dit, I told him, ne laisse personne, leave nobody, dans ta chambre, leave nobody in your room. Et parce qu'il était, il a reçu cette sagesse. Because he received that wisdom. Il m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu. He told me the last time we have seen each other. Un coéquipier avec qui ne parle même pas. A member of the team with whom he doesn't speak. Vient entrer dans sa chambre. Entered in his room. Il a dit mon frère, tu pars où? Where are you going, brother? Il a pas, le type n'a pas répondu, il veut seulement entrer. He didn't reply. He just wanted to enter. Il a poussé. He pushed him. Allez loin, allez aux choses là. Go away with your things. S'il n'avait pas la connaissance là. If he was not having that knowledge. Il aurait laissé entrer. He should have let him enter. Il y a des dimensions dans la vie. There are some dimensions in life. Si tu n'es pas sage, if you are not wise, tu vas échouer. You will fail. Dieu te connaît. God knows you. Dieu t'a appelé. God has called Dieu you. T'a choisi. God has chosen Dieu you. T'a oint. God has anointed mais sans you. Sagesse, but without wisdom, pour ce niveau, for that level, tu vas rester sur place. You remain on the spot. Il y a des musiciens qui ne sont pas les meilleurs. Some musicians are not the best. Mais ils ont utilisé la sagesse. But they use wisdom. Pour arriver au top et rester au top. To reach the top and remain on the top. Quand tu vois quelqu'un qui a l'inspiration, when you see somebody with inspiration, et sort un album de 12 titres, tous sont des tubes, and have an album of 12 titles, et après ça ne peut plus sortir un autre album, and after can no longer have another album, il n'était pas sage. He was not wise. Il n'était pas sage. He was not wise. Alors qu'il pouvait sortir un album de 7 titres, was supposed to have an album of 7 titres, 2 tubes, 2 tubes, 5 korokoro. And five il commence words à découvrir les cinq autres. Five words. Il garde les autres tubes pour les prochains albums. He keep the other for the next album. Mais par manque de sagesse, by lack of wisdom, il dit je vais vous tuer. Il y a la tuerie qui sort. There is a new song. Tu nous tues une fois, mais on se réveille plus. Après c'est quoi? Ne nous tue pas une fois. Tu nous blesses nous. Tu nous blesses. On continue. After we continue. Quand tu veux nous tuer, when you want to kill j'avais dit à un pasteur, after the pastor, avec toute l'onction et la grâce que tu as là, all the anointing and grace le message you est là. Message. Tu veux tout prêcher maintenant, encore tu veux quoi après? If you preach everything now, what will we listen after? Culte des leaders, première partie. Service of leader, first part. C'est fini. Over. Deuxième partie. Second part. Tout à l'heure quand ça va chauffer, il va dire on attend la troisième partie. Wait for the third part. Sagesse. Wisdom. Toi si tu prêches tout maintenant, tu viens plus à l'église, on continue l'église comment? Jésus savait qu'il ne revenait pas le lendemain. Jesus knew that he would have not come back. Mais the next le monsieur a dit à ses disciples, je reviens bientôt. He told his disciples, I'm coming soon. Il n'a pas menti. He didn't lie. Mais c'est la sagesse. But it is wisdom. Joseph était sage. Joseph was wise. Mais sa sagesse, but his wisdom, c'était pour aider Potiphar. Was to help Potiphar. Sa sagesse, his wisdom, c'était pour aider Pharaon. Was to have Pharaoh. Si Joseph, if Joseph avait le t-shirt, was having the t-shirt et le démembré en bas, and the underwear, quand la fille enlevait son, arrachait son t-shirt, when that girl tore the t-shirt, il restait avec le démembré. He remained with the underwear. On n'avait pas l'emprisonné. He would have not been in prison. Mais sa sagesse lui a permis seulement de porter un habit. The wisdom permitted him only to et wear. Et quand on a vu ton senu, when le type sort du mal, il sort du mal. Has done something wrong. À chaque niveau, each level, quand tu arrives quelque part, when you get somewhere, il faut que tu sois sage. You must be wise. En fonction de l'ennemi, de l'adversaire, du parasite qui est en face de toi. Depending on the enemy, the adversary, the parasite in front of you. Tu étudies. You study. La personne. The person. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent utiliser les mêmes armes pour les combats et les ennemis différents. Many children of God want to use the same weapons from the same battle. C'est la raison pour laquelle. That's the reason why. Daniel. Daniel. On a discerné en lui. They discern in him. Un esprit appelé l'esprit des dieux. A spirit calls the spirit of God. Parce qu'un dieu n'est pas limité par une seule méthode. A God is not limited by just one method. Un dieu est illimité. A God is not limited. En fonction du cas qui a
a en face, depending on the situation, il choisit une stratégie. Chooses a strategy. Il choisit une habitude. It chooses a habit. En fonction du patron qui est en face. Depending on the boss in face. Il y a des patrons, quand tu les regardes le matin, you look at some boss in the morning, tu sais que le type, s'il n'est pas de bonne humeur, you know that he doesn't have les a good bras de GL, il faut laisser ça. Don't joke with him. Il faut l'esquiver. Avoid mais him. Toi, comme tu es bête, as you are stupid, tu gardes la même habitude d'hier. You keep the same habit of alors yesterday. Qu'en réalité, on gère les boss. Meanwhile, on gère les leaders the leader. De manière dynamique et non de manière statique. And not from the static manner. Yes. Tu vas griller ta carte parce que tu es resté sur ce qui vous est dit hier. Because remember quand you vous préparé hier, when you departed yesterday, c'est parti chauffer chez lui à la maison. He had problem in his house. Okay, il revient le lendemain. So when the next day c'est back, plus la même personne. He's almost the same person. Mm. C'est à toi d'avoir l'intelligence ou la sagesse or wisdom pour savoir qu'ici là, to discern quand il est comme ça. When it's like this, ne pas amener ce type de dossier. Don't bring this kind of document. Ne pas faire ce type de demande. Don't do this kind of request. Quand il est content, when he's happy, voici le moment. This is a moment. Tu ne peux pas être à côté d'un roi. You cannot be next to a king. Tu es toujours là avec les plaintes. You are still there with complaints. Alors que lui, il a les problèmes. You know he has problems. Si tu es là avec les solutions, but if you are there with solutions, tu vas attirer son attention. You will attract his attention. Quand on a discerné en Daniel, when they discerned in Daniel, l'esprit de Dieu, the spirits of c'est God, parce que quand il y avait des questions graves, when there were serious questions, dans le royaume, in the kingdom, c'est toujours Daniel, Daniel qui always apportait les solutions. Brought solutions. Ne peut rester et demeurer, can stay and dwell, dans la grandeur, in greatness, que les apporteurs de solutions. Only those who bring yes. solutions. Sinon les gens qui aiment critiquer, saboter et accuser les and others who like to criticize and slander others. Quand tu marches avec un grand, when you work with a great man, parle plus des choses utiles. Talk more about things that are useful. Et non des choses qui n'ont pas de sens. And not things that are useless. Dans la famille, tu es spécialiste en Congosa. The family, you are expert in gossip. À l'église, c'est ton travail. The church is your job. Au travail, in your work site, c'est ton travail. It is your job. Elle dit que quand on veut un Congosa sur quelqu'un, when they want an information on c'est somebody, toi qu'on cherche. You are sought. On ne te respecte pas. You are not respected. Tu n'as aucun charisme. You have no charisma. Parce qu'on te connaît assez. Because you are known. Avec les histoires dormies debout. Mm. With gossip. Une vraie entreprise. A real enterprise. A pour mission d'être performant. Has a mission to be performant. Faire des résultats. So bring results. Et non de raconter les histoires des uns sur les autres. And not to recount the stories of people. Joseph n'avait jamais retrouvé ses pieds dans une affaire de Congosa. Never Joseph was involved in gossip. Daniel n'était pas là lorsque les gens racontaient X ou Y. Daniel was not there when people were gossiping. On appelait Daniel quand il y avait les vrais problèmes. They called Daniel when they were having real problems. Si tu veux rester au sommet, if you want to remain on the top, chaque fois que tu te présentes, every time you identify present yourself, il faut que tu marques ta présence, you must mark your presence, par une attitude, by an attitude, par une habitude, by an habit, pour apporter toujours to always bring une réflexion, a reflection qui apporte la solution. That being solution. Un homme de Dieu rend ce témoignage. A man of God testified. Dit qu'il arrive avec certains hommes de Dieu pour prier pour un homme politique. He with some man of God to pray for a politic man. Et quand les hommes de Dieu l'arrivent, when those men of God come, on leur dit asseyez-vous, commencez à manger. They are told to sit down to start eating. Ils ont commencé à manger et boire. They started eating and drinking. Et lui il est resté calme. And he remained quiet. Il parle pas. He does not speak. Mais vous ne mangez pas, il dit non. Don't you eat? He says no. Non. No. Après il s'est levé. After he stood up, il dit, le Seigneur m'a parlé. The Lord talked to me. Il a appelé le député. He called the parliamentarian. Il vient dans la chambre. In the room. J'ai vu un serpent ici. I saw a snake here. Il a commencé à le mystifier. He started declaring. Il a commencé à prier pour lui. He started praying for him. Il a appelé sa femme. He called his wife. Il a déclaré. He declared. Mm. Il a mis l'onction. Mm. Drop anointing. Après il dit c'est fini. After he said it's over. Le serpent est parti. The snake has disappeared. Mm. Il est descendu. Il dit à ses collègues qu'on peut partir. He told his colleague we can go now. Ils avaient l'habitude d'y aller là-bas. They used to go there. Mais la fois là, il a fait ce qui est différent. That time he made a difference. L'enveloppe on leur donnait 50 000 là. The envelope they were giving 50,000. On a redonné ça à ses collègues. He gave it to his colleague. Mais lui on a donné une enveloppe à part. Was giving an exceptional envelope. 2 millions. 2 million. Vous savez pourquoi on insulte les églises? Do you know why churches are insulted? C'est parce que nous-mêmes on se méprise. Because we despise ourselves. On ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. You cannot be respected if you don't respect yourself. Tu sais pourquoi on peut te mépriser en face? You know why you can be despised in face? C'est parce que toi-même quand tu te regardes tu te méprises. Because when you look at yourself you despise yourself. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de te respecter de loin. You cannot impose somebody to respect you at mais distance. En face là. But in face. Tu ne dois pas permettre. You must not permit. Qu'on te manque de respect. To be disrespected. Les églises. Churches. Ce sont les pasteurs. Pastors, ce sont les chrétiens. Members. Qui font en sorte qu'on leur manque de respect. Who make people to disrespect them? Il y
Il y a des choses qu'on peut faire aux églises, on ne fait pas aux musulmans. There are things that can be done to the church, but not to the Muslims. Les États-Unis peuvent gronder. United States can score. C'est un pays. Some lands. Mais pas la Russie. But not Russia. Poutine, c'est quelqu'un. On ne lui manque pas de respect. Cannot disrespect him. Si tu veux rester au sommet, if you want to remain on the top, il faut que tu travailles. You must work. Ton charisme. Your charisma. L'envie d'avoir toujours l'argent, the envy of always having seulement l'argent, only money, va te rendre dépendant de l'argent. Will make you dependent tu on peux money. Avoir l'argent, you can have money, mais on ne te respecte pas. But you are not respected. Quand on sait que ton problème, ce n'est que l'argent, when they know your problem is only money, on va te donner l'argent, you'll là, be given that money, mais sans respect. But without respect. Quand tu marches avec les gens qui ont l'argent, when you go with people who have money, ils ont d'autres problèmes que l'argent. They have other problems than money. Quand on sait que toi ton problème ce n'est que l'argent. When they know that your only problem is money. Et quand ils sortent le paquet d'argent de sa poche. When you remove the packets of money from the tu pockets. Tu commences à rire. You start laughing. Alors que c'était pour payer une facture, c'est même pas pour toi. It was not only, it's not for you, what, but on to pay que bill. Voilà quelqu'un qui aime l'argent. You feel that is somebody who loves money. Là à partir de là. As from there. On te manque de respect. You'll be disrespected. Tu peux ne pas avoir l'argent sur toi. You may not have money in your pocket. Mais tu sais que ta valeur. But you know that your c'est value dans ta tête. Is in your et head dans ton cœur. And in your heart. On est né dans les familles pauvres. We're born in poor families. Mais l'argent. But money. Nous a jamais. Has never. Manqué de respect. Disrespected us. Joseph est parti en esclavage sans argent. Went slavery without money. Il est resté intègre. Remain upright. Le secret. The secret. Pour rester au sommet. To remain on the top. Être intègre. Is to be upright. Ne mélange pas dans tout. Don't mix yourself in everything. Il y a des petits pièges qu'on va te tendre. There are little traps that will be tendered to you. Sur des petites sommes. On little amounts. Tu vas tomber dedans. And you fall in the trap. Tu vas plus te relever. You will not more raise. Sur des petites choses. On little things. La Bible dit. The Bible says. Job était intègre. Job was upright. Parmi tous les fils de sa région. Among all the sons of his region. Job était intègre. Job was upright. Dans l'abondance. In abundance. Il était intègre. He was upright. Écoutez-moi bien. Listen to me attentively. Quand Dieu nous élève financièrement. When God financially lifts us le up. Le même qui nous élève peut nous rabaisser. The same who lifts us up can put us si down. Si tu es intègre avec l'argent. If you are upright with money. Reste intègre sans argent. Remain upright without money. Si actuellement tu n'as pas l'argent, if actually you don't have money, travaille ton intégrité. Work to be upright. Pour que quand tu auras l'argent, so that when you have money, tu demeures encore intègre. You still dwell upright. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul says, qu'est-ce qui me séparera what will separate me de l'amour de Dieu? From the love of God? Est-ce l'abondance? Is it abundance? Ou le manque? Or the lack? Je parle de la sagesse I talk about wisdom, qui dépasse la force. That is more than strength. La Bible dit, the Bible says, il s'appelle Salomon. He's called Solomon. Il dit à Dieu, he told God, je ne veux pas la richesse, I don't want riches, mais je veux la sagesse. But I want wisdom. C'est ce qui m'intéressait. You know what interested la me? Bible dit que Dieu the Bible says that God donna la sagesse à Salomon. Gave wisdom to Solomon. Et la sagesse qu'il donna à Salomon, and the wisdom he gave to Solomon dépasse la sagesse des fils de l'Égypte is more than the wisdom of the son of Egypt et la sagesse des fils de l'Orient. And the wisdom of the son of East. Donc Dieu donne une sagesse à Salomon, God gives a wisdom to plus Solomon, que les fils de l'Égypte. More than the sons of Egypt. Les fils de l'Égypte, the sons of Egypt, ce sont les technocrates, ceux qui construisent les pyramides, are those who built ceux qui connaissent la technologie, are those who know technology, ceux qui font des bâtisses. Are those who built Salomon, Solomon, les surpassait en sagesse. Surpass them in wisdom. Les fils de l'Orient, the son of East, les fils de l'Orient, the sons of East, ce sont les gens comme Job. Are those like Job? La Bible dit que de tous les fils de l'Orient, Job était le plus riche. From all the sons of East, Job c'est was the eux qui faisaient dans les plantations. They were having farms. C'est eux qui faisaient dans l'élevage. They were doing breeding. Et les fils de l'Orient. And the sons of East. Quand tu lis dans Juges chapitre 6. When you read in Judges chapter 6. La Bible dit que quand les enfants d'Israël avaient sémé. When the Israelites have sown. Les Madianites. The Midianites. Les Amalek. The Amalekites. Amalécites. Amalekites. Et les fils de l'Orient. And the sons of East. Attendaient la récolte. Were waiting for the harvest. Donc les fils de l'Orient. So the sons of vous East. Laissent se battre. Allow you to vous laisse prier. Allow you to pray. Vous laisse vous embrouiller. Allow you to vous laisse faire le travail du boss. Allow you to do the work ils attendent de la récolte for the time pour of manger. To eat. La Bible dit says, la sagesse de Salomon, Salomon dépassait la sagesse là. Was more than that wisdom. Quand tu travailles quelque part, when you work somewhere, c'est bien de travailler dur. It's good to work hard. C'est aussi bien d'être sage. And it's good to be wise too.
Il y a des bureaux où à partir d'une certaine heure là que les vraies choses commencent. At a certain time, real things start. Toi, c'est à l'heure là que tu rentres. At that time, you go back. Tu dis que non. Say no. Est-ce que c'est le travail du con? Mieux je rentre chez moi. Better I go back home. C'est à partir de l'heure là. It's as from that time. Le patron commence à recevoir les vrais gens. That the boss has receiving real, those who have problems. Et qui dit, bon, je ne vais même pas parler de tout ça ici. Ceux qui travaillent dans les milieux là connaissent ce que j'ai dit. Mais toi, tu es déjà rentré. Already back. Quand les vraies choses arrivent. When real things come. Toi, tu reviens seulement au lendemain. Just come the next day. La plupart des vrais business. Most of real business. On les fait la nuit. Are done at night. Les hommes d'affaires. Businessmen. C'est la nuit qu'on fait les affaires. The night that you do business. Donc, si tu veux faire les affaires. So if you want to do business. En journée. The day. C'est les heures des fonctionnaires. La nuit, servants, but the night, dans les restaurants, in restaurants, dans les cabarets, in cabarets, ils vont faire les affaires. They do business. Comme toi, tu es né de nouveau. As you are born again, tu es enfant de Dieu. A child of God. Où tu arrives. Everywhere you go. Le sang de Jésus. Blood of Jesus. Le sang de Jésus. Blood of Jesus. Le sang de Jésus. Blood of Jesus. Maintenant, pas ici le sang de Jésus. Blood of Jesus. Le sang de Jésus. Blood of Jesus. Va devenir pasteur. Comme pasteur. Homme d'affaires. Businessman. Si tu es pasteur, if you are pastor, reste pasteur. Main pastor. Si tu es homme d'affaires, you're a businessman, les affaires, business, ont des codes. Les affaires, business, ont des heures. Have hours to be done. Les affaires, business, ont des milieux. Have places. Ton sang de Jésus là. Your blood of Jesus. Mets ça dans ton ventre. Drop it in your belly. Vous voulez monter. You want to climb. Mais vous n'êtes pas sage. But you are not wise. Salomon a dit à Dieu. Solomon told God. J'ai vu mon père servir. I saw my father servir. Mais moi, je ne suis qu'un enfant. I'm just a child. Je ne peux pas servir ce royaume. I cannot serve this kingdom. Si je ne suis pas sage. If I'm not wise. Je veux la sagesse. I want wisdom. Plusieurs parmi nous. Many among us. Avons échoué. Have failed. Face à des opportunités. Face to opportunities. Parce qu'il y a un petit test. Because there is a small test. D'intégrité. Of integrity. D'humilité. Of humility. De patience. Of patience. Auquel vous avez échoué. Which you failed. Et chacun à son niveau. And each of you ne te compare pas à l'autre. Don't compare yourself to mais comment savoir que là c'est un test? How to know that it's a test? C'est là où that's tu as besoin you need de l'esprit de discernement. The spirit of discernment. À chaque fois every time que tu as face à une situation, you are facing a situation, ne réagis pas par rapport à tes sens don't react according to your senses, ou par rapport à tes émotions humaines. According to your human emotions, questionne l'esprit de Dieu. Question the spirit of les God, enfants de Dieu children of God, ou les fils de Dieu. Are the sons of God. Marche avec l'esprit de Dieu. Work with the spirit sont conduits are led par l'Esprit de Dieu. By the spirit of God. À chaque fois qu'il y aura une situation, every time there'll be a situation, les autres demandent au marabout ça, on gère ça comment? Others answer the wish of the heart. J'avais vu un jour sur Internet, Internet, tous les grands hommes politiques ont leurs magiciens. All the great politicians have dans their le monde, in the world, tous les grands hommes politiques ont leurs magiciens. All the great politicians have their le papa lui posait la question, mon pasteur m'a dit qu'est-ce que c'est vrai? That asking the question, il ne va jamais te dire. Never will tell il you, a son magicien. But he has his magician. Toi, ton magicien. You are magician. C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Est-ce que tu parles avec lui? They talk with him. Tu ne vas pas arriver. He will go nowhere. Ils ont les marabouts. They have witch doctors. Qui leur disent parfois la vérité. They tell them at times the truth. Qui les ment parfois. At times who lie. Toi, tu n'as personne. But you have nobody. Tu n'as pas le Saint-Esprit. You don't have the Holy Spirit. Ton Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est quand tu veux demander les choses à Dieu. It's when you want to ask things to God. Je veux l'argent. I want money. Je veux l'argent. I want money. Je veux le mariage. I want a marriage. Je suis pas venu prêcher pour le mariage. I'm not here to preach for marriage. Je suis venu prêcher pour la grandeur. I'm here to preach for greatness. Dans la grandeur. In greatness. On a besoin du discernement. We need discernment. Parce que si tu entres dans un grand mariage, to enter a great marriage, sans discernement, without discernment, quand ça sera une épreuve, when it will be a tu test, vas confondre avec persécution. You confuse with persecution and you will fail. Quand tu as le discernement, when you have discernment, tu sais qu'ici là, you know that here, Satan, nous n'ignorons pas tes desseins. We don't ignore je your ne gère pas comme tu veux là. I don't want to go je the way you pas want comme me. Tu veux là. I will not react the way you want me to Vastish react. Vastish avait la tête, l'intelligence, was intelligent, sans la sagesse, without wisdom, une petite épreuve, a small test. Elle est jouée. She failed. Et ce qu'elle disait était logique. Hein. What she was saying was on logical. L'a chassé. But she was chased away. Ta logique n'est pas la logique du roi. Your logic is not the logic of the quand king. Tu as un chef, when you're head, il a sa logique. When you have a head, he has his logic. C'est pour ça qu'il est chef. That's why he's a head. Jusqu'à ce que tu deviennes chef, till the day where you become tu es obligé head de te soumettre you're obliged to be submitted à la logique de ton chef. The logic of your head. La Bible dit que Naaman a dit au prophète, Robert says, Naaman told the quand prophet, mon chef when my head va adorer le roi, will adore the king,
va adorer les dieux will adore the gods, ou adorer ses dieux, or his gods, je suis obligé d'entrer dans sa logique. I'm obliged to enter his logic, comme vous le voulez ou pas. Whether you want it or si not. Vous êtes sous des personnes, if you're under people, vous travaillez pour des personnes, you work for people, ils ont leur logique. They have their own logic. Et dans leur logique, and in their logic, vous devez savoir you must know, si c'est Dieu qui vous a amené là-bas, God is the one who brought quelles you sont there. Vos limites. What are your limits? D'après ce que Dieu vous a dit, according to what God has told, n'embrassez pas tout. Do not embrace Daniel, everything. Daniel a vu la logique de Nebuchadnezzar. So the logic of Nebuchadnezzar. Il a respecté sa logique he respected his jusqu'à logic ce que till the day cette logique heurte son Dieu. Je parle de la sagesse, I talk about the wisdom, mais que cette sagesse wisdom, ne te fasse pas aller adorer adore les fétiches de ton chef. Fetishes of your boss. Parce que là, there, tu sors du plan de ton Dieu qui t'a amené là-bas. You come out of the plan of the God who brought l'une you des there. Choses qui a fait que beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient dans la foi abandonnent la foi après l'élévation. So abandon faith after elevation, c'est qu'ils se sont dit, is that they said in themselves, aide-toi ici, le ciel t'aidera. Écoute-moi bien. Si c'est le ciel qui t'a fait arriver là-bas, if heaven brought you there, si tu obéis aux lois du ciel, if you fully obey to the laws le ciel of heaven, te maintiendra là-bas. Heaven will maintain you there. Ta désobéissance your disobedience à celui qui t'a amené, so he will brought you, c'est-à-dire Dieu, in God, va faire en sorte que tu perdes ton poste, make you to lose your tu position, perdes ton élévation, make you to lose your tu elevation, perdes ta promotion, make you to lose your promotion. Le jeune là, footballeur, the young football player, on les a amené les orcés, tous ces dit qu'il ne prie pas ça. He does not pray il ne with fait exorcist. Pas. On les a écartés. Il est resté. Put aside. Il a son huile de la bonne nouvelle. That's yes. All of good news. Mais sur lui. Il lit sa Bible. Yes. Il a dit que vous, qu'on me fasse jouer ou pas, je suis fort. Whether I play or not, I'm strong. Il est fort. He's strong. Et pendant qu'il était là, as he was there, on a enlevé la liste des 23 pour le mettre dans la liste des 33. Was removed in the list. Alors qu'il était titulaire, il est resté là, fidèle à Dieu. Pendant que le tournoi a commencé, why the match on n'a jamais aligné. Never mais au ciel, yes. Yes. Vous connectez à Dieu. Mm. Le ciel a appelé l'entraîneur des juniors. Vous dites, ce gars est comme Daniel. Like il Daniel. Est resté fidèle. Enlevez-le de là. Yes. Mettez-le là-bas. Ah. Il est monté dans l'avion hier soir. Get in the plane yesterday. Il est au Maroc actuellement. Actually, he's in Morocco. Il a fait la publication tout à l'heure. Il a seulement mis Chapelle de la Grâce. Chapelle de la Grâce. Il n'a pas, il ne discute pas. He doesn't discuss. Mais toi, but you, quand tu vas arriver là-bas, when you will get tu as pas oublié mon nom. You forget my name. Tu me connais plus. You will no more know me. Toi aussi le faux pasteur là, tu aussi avec lui. Non, je partais souvent de temps en temps. I usually go from time to time. Tu as oublié d'où tu viens. You forgot where beaucoup you were de personnes from. Ne vont jamais demeurer au sommet. Never many people remain on the top. Parce qu'ils sont ingrats. Because they are thankless. Tu veux être avec moi quand c'est bon, quand c'est pas bon, tu es pas avec moi. Hein. When it's not good, you are not with me. Tu ne peux pas rester au sommet. You cannot remain on the top. Tu connais quel franc-maçon qui réunit sa secte? Who freemason do you know within his sect? Tu connais quel rosicrucien qui réunit sa loge? Who rosicrucien do you know within his? Il y a que les chrétiens. Only Christians. Quand c'est mauvais. When it is wrong. Il commence à se rappeler comment il est un ancien catholique. He starts remembering how he's an ex-Catholic. Il n'est pas de la chapelle de la grâce. He's not member of chapel de la grâce. Parce qu'on a saboté le révérend. Because reverend was slandered. Le jeune frère. Il arrive au Maroc. When he got to Morocco, son téléphone était déchargé quand il voyageait. The phone was il arrive, il m'a écrit. He wrote me. Après, il a publié. After he posted. Chapelle de la grâce. Chapelle de la grâce. C'est Chapelle de la grâce qui joue. C'est Chapelle de la grâce qui a le talent. C'est Chapelle de la grâce qui a fait son passeport. Chapelle de la grâce qui a fait sa carte d'identité ou son acte de naissance. Mais c'est Chapelle de la grâce qui le couvre. Amen. Il est reconnaissant. Quand Daniel arrive au sommet, when Daniel reached the top, il n'a pas oublié son Dieu. He did not forget his God. Je veux te dire quelque chose. I want to tell you là something. Là où tu arrives, where you go, il y en a qui sont arrivés par les marabouts. Some went by wizard. Toi, si tu es arrivé par Dieu, so if you went because of pas God, pas chez les marabouts. Don't go to see the wizard. Ils connaissent comment ils ont fait pour arriver. They know how they did to go toi, there. Toi, tu connais comment Dieu a fait pour te mettre. You know how God has done to put Deuteronome you there. Chapitre 8. Deuteronomy chapter 8. Il dit quand tu auras acquis ces richesses, when you will have acquired those ne riches, dis pas en ton cœur. Do not say in your heart. Parce que le problème de plusieurs, because the problem of many people, c'est que quand ils montent, that when they climb, quand Salomon n'était rien, il dit Seigneur, tu peux tout. Lord, you can Seigneur, everything. Plutôt tout. Lord, you can quand everything. Salomon est devenu, when Solomon became il oubliait Dieu. He forgot God. Quand tu n'as pas l'argent, when you don't have tu money, aimes le Seigneur. Love the Lord. Mais quand tu auras l'argent, but when you have quand money, tu vas te marier, when you get married, quand tu vas commencer les voyages, when you start traveling, quand tu vas toucher ton argent, when you will touch your money, avant de voyager, before traveling, il m'a dit, papa, je veux te voir. Daddy, I want to see il est venu you. Me donner ma chose. He came to give me what belongs to me.
J'ai mis dans la poche. I drop in my pocket. C'est pour moi. It's for L'apôtre me. Paul dit, Apostle Paul si too. J'ai semé les biens spirituels, if I've sold spiritual goods, est-ce une grosse affaire? Is it a big matter? Il n'y a que les pasteurs qui ne travaillent pas qui ont honte de manger. Only pastors who don't work are ashamed to eat. L'année-ci. This year, je vais te bénir. When God will bless you. Je vais manger, je vais grossir encore. Amen. Eat and take weight. L'année passée, last year, j'ai mangé. I ate. Tous mes amis ne me suffisaient plus. And I took weight. Donc, à la fin d'année, so at the end of the year, tellement j'aurais mangé, I will have eaten a lot. J'aurais acheté d'autres habits. Yes. I will buy new clothes. Parce que Dieu va te bénir. Because God Amen. Will bless you. Je n'ai pas dit ton voisin, j'ai dit toi, Dieu va te bénir. Amen. Moi, je suis le seul pasteur qui dit en public. I'm the only pastor who says publicly que je te bénis. That I bless you. Quand tu seras béni, and when you'll be blessed, tu vas me donner. You yes. will give me. Et si tu ne me donnes pas, if you don't give me, je viens dans tes rêves. I will appear in your dreams. Il n'est pas changé. I'm not changed. 2021. C'est la même chose. Still the same thing. Nous lisons. 1 Corinthiens 9, verset 11, l'est écrit. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, si on a semé les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il y a des gens, yeah, people, les marabouts qui les positionnent. Who position quand them? Ils arrivent, when they come, ils arrosent le marabout. Le marabout, la jeune fille qui m'a raconté son histoire, elle arrive à l'est. La maison du féticheur, VIP, chez Louis XIV. On la met dans la chambre. Matelas ressort. Toi, ton matelas est percé par les pipis des enfants. Fiche. Tu connais ton matelas, non? Tu connais, non? Le matelas où tu dors est rongé. Les pipis ont fait pourrir le matelas. Et une bonne partie, ton petit frère coupait ça pour aller chez ses chaussures. Fiche. C'est le matelas de quelqu'un. C'est le matelas de quelqu'un. L'autre, c'est pour aller laver les assiettes. Mais le matelas du féticheur, elle ressort. Elle me dit, le fils de la marabout lui dit, c'est elle qui a offert ma mère 49 millions. Quelqu'un donne à un marabout 49 millions pour dire merci. Mais si un pasteur tente d'acheter la voiture, vous êtes dans quel pays même? Demandez à vos gens, ils vont vous dire ce qu'ils donnent aux féticheurs. Ils versent l'argent parce qu'ils sont reconnaissants. C'est les charlatans qui n'ont rien. Les vrais marabouts ont l'argent. Si on a semé les biens spirituels, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous, tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, Baba says in Deutéronome chapter 8, lorsque tu auras acquis ces richesses, when you will have acquired those riches, nous lisons. À partir du verset 17, il est écrit, garde-toi de dire en ton cœur, garde-toi quand tu es élevé. You may not say to yourself when you are elevated. Non, tu sais, moi en France, c'est mon travail, je ne paie plus ma dîme, je ne fais plus rien. Fais attention. Be careful. Un petit problème va surgir. A small problem will occur. Tu vas perdre tes papiers. You will lose your papers. Tu vas perdre ton travail. You will lose your job. Tu vas la paralyser sur le lit. Be paralyzed on the bed. N'oublie jamais d'arroser ta racine. Never forget to water your roots. Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer demain. You don't know what tomorrow has in store for you. Quand Dieu t'élève, when God lifts you up, Dieu te préserve. God preserves you. Moi, je suis française, I'm je suis French, américaine, je suis canadienne. Attention. Les démons ne connaissent pas canadiens. Demons don't know les démons ne connaissent pas américains. They don't know the les démons American ne connaissent pas la carte de séjour. They don't know the card of stay. On te l'enlève. You are snatch it. Quand Dieu va t'élever, when God will lift you up, si Dieu t'a élevé, if God has lifted n'oublie up, pas d'où tu viens. Don't forget where you are coming si c'est from. Dieu, it's God. Continue à l'arroser. Continue to water. Si c'est le marabout, it's the wish of ça God. Te regarde. That's your problem. Quand tu auras acquis ces richesses, garde-toi de dire dans ton cœur, oui,
Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse. C'est là que l'orgueil commence. That's where pride starts. Le gars devient méprisant. He becomes scornful. Parce qu'il est nommé sous-directeur. Because he's appointed assistant manager. Parce qu'elle est nommée chef. Because she's appointed head. L'orgueil et le mépris commencent. She becomes proud and et scornful. Ce qu'il ne sait pas, what he doesn't c'est know. Qu'il y a un collaborateur là. If he's a collaborator. Qui est resté fidèle à son marabout. Who remained upright with his doctor. Il te calcule. He targets you. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi. Remember. Souviens-toi. Remember. Souviens-toi. Remember. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, beaucoup d'enfants de Dieu many children of God en cachette. In hiding. Parce que s'il ne fait pas, because if they don't do, le boss va m'enlever. The boss will dismiss. Font des pratiques qui n'ont rien à voir. They make practices that have nothing avec l'alliance qu'ils ont avec Dieu. With the covenant they have with je God. Finis en te disant ceci. I conclude with this. Puisque je ne vais pas entrer dans tous les détails. I will not enter in all the details. Dieu te bénit. God bless you. Dieu te maintient à God cause d'une alliance. Because of a covenant. Mes amis. L'alliance n'est pas visible. Covenant is not visible. Mais elle est puissante. But it is powerful. Et les prières qu'on fait ici. Your prayers we do here. Tu oublies. You forget. Une alliance a été tissée. But the covenant was made. Quand on va commencer à parler en faveur de tes finances. When you start speaking in favor of your finances. En faveur de tes contrats. In favor of your contracts. En faveur de tes affaires. In favor of your business. N'oublie pas que c'est une alliance qui a déclenché ça. Don't forget the covenant has provoked that. Quand tu vois quelqu'un comme le jeune Dinam. When you see somebody like the young Dinam. Reconnaissant partout il part. Grateful everywhere he goes. Il ne peut pas échouer. He cannot fail. Daniel est resté dans l'alliance. Daniel remained in the covenant. Alors qu'il était à Babylone. Meanwhile, he was in Babylon. Joseph est resté dans l'alliance. Joseph remained in the covenant. Alors qu'il était en Égypte. Meanwhile, he was in Egypt. Esther, Mardochée. Esther, Mardochée. Sont restés dans l'alliance. Remained in the covenant. Alors qu'ils étaient en déportation. Meanwhile, they were in another land. Dès que le type là arrive. When that man comes. Tu oublies que tu pries souvent. You forget you usually pray. Tu as vu un musulman abandonner ses prières? Have you seen a Muslim leaving his prayer? Tu as un chauffeur musulman quand son heure de prière arrive, il gare. When his time of prayer comes, si tu veux, car, licencie-le. Dismiss. Un boutiquier musulman qui respecte ses heures de prière. Remain his prayer quand l'heure de prière arrive, when the time of il met le goes, bâton à l'entrée. Il prie. Those who don't pray. Toi, qui est ici? Who is there? He just prays. C'est comme si le gars ne sait pas que vous êtes là. It's as if he doesn't know you are there. Même s'il n'a pas vendu depuis le matin. Even if he has not et que ce sera la seule recette de la journée. Only be d'abord sa prière. First of all, mais toi, but you, en plein culte, le téléphone so sonne. Oui chérie, oui chérie. Yes, darling. Tu es où là? Non chérie, je suis en route. Qui parle là-bas derrière? Comme un pasteur des églises. Non chérie, c'est l'église qui est à côté de ma maison. Tu mens. Lie. Quand il s'agit de ton Dieu, when it's about your God, tu vas échouer. You'll fail. S'il y a quelque chose qui nous a fait réussir, there is something that made us c'est succeed. Qu'on a affronté le monde entier quand il s'agissait de parler de Dieu. We have faced the whole world to talk about God. Mes amis, my friend, je vous donne un secret. I'll give you a secret. Quand tu as cru en Jésus, when you have believed in Jesus, ne permets à personne permit nobody d'insulter ton Jésus. To insult your Jesus. Je te raconte mon histoire. I recount you my story. 26 septembre 2006. Mon oncle devait être nommé ministre le 27 septembre 2006. My uncle was supposed to be appointed the 27th of September. Il m'a convoqué au Hilton dans sa suite là où il vivait. He summoned me in Hilton where he was living. Avec ses frères. With his brothers. Le sujet principal. The main topic. Vous faites quoi dans les églises? What are you doing in churches? Ils ont parlé. They talk. Ceux qui étaient les théologiens m'ont récité la théologie. Some recited theology. Ceux qui étaient ingénieurs agronomes m'ont récité. On m'a fait l'historique des églises. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à allumer les versets bibliques. Il est écrit. Parce qu'en fait, j'étais fou. Parce qu'il était normal. J'avais pas fait ça. Et c'est avec cet esprit-là que je suis resté dans l'église. Insulte-moi, mais n'insulte pas mon Dieu. Paul-en, c'est qui? Insulte Paul-en, mais pas son Jésus. Parce que sans ce Jésus, Paul-en n'est rien. Sans Paul-en, Jésus est. Without Paul-en, Jesus is.
Sans Jésus, Paul n'en est rien. Without Jesus, donc, insulte Paul Zang. Mais pas sur le miracle de son Jésus, Jesus, pas l'onction de son Jésus, pas la grâce de son Jésus. J'ai un secret que je te donne. Si un seul jour le Dieu de la chapelle de la grâce t'a fait du bien, ne permets à personne d'insulter ce Dieu. Le pasteur de la chapelle de la grâce peut mourir, mais le Dieu de la grâce demeure éternel. Amen. Quand on insulte ton Dieu, when your God is insulted, tu laisses, c'est fini. La Bible dit, says, ne touchez pas à mes oins, do not touch my anointed ne faites ones. Pas du mal à mes prophètes. Not do evil to my tu prophets. Sais pourquoi? Do you know why? Ce n'est pas loin de Dieu le problème, the problem is that the mais c'est l'onction en lui qui est le problème. That is a problem. Jésus, Jesus, quand il quitte de la tombe, when he leaves the grave, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Above all names, il était souverainement élevé. He was highly lifted up. Donnez-moi le nom, give me the name, de celui qui l'a encore insulté en face. Of he who insulted him in face. Si tu veux que Dieu if you want God t'élève to lift et te up maintienne and to maintain partout you there, où tu arrives, everywhere you célèbre-le. Celebrate him. Amen. Pas ton église, church, pas ton pasteur, pastor, mais le Dieu de ton église, le Dieu church, de ton pasteur. Pastor. Tu es silencieux, on ne sait pas où tu pries, on ne connaît pas qui est ton Dieu, on ne connaît God, pas qui t'a fait grâce, tu es seulement là comme ça, tu joues au grand, tu ne seras rien. Aujourd'hui, les francs-maçons n'ont pas honte d'être francs-maçons, mais les chrétiens ont honte de leur Jésus. Tu ne seras rien. On ne sait pas quand on regarde ta page, page que tu es quelqu'un qui prie that you are somebody who parce prays, que tu as honte. Because you are ashamed. En 2015, in 2015, il y a un gars qui travaille à la présidence. There's a man who works at the president. Je rentrais du voyage d'Abidjan où on sortait d'une croisade. I was returning from journey from Abidjan. Il a commencé à m'écrire sur Facebook. He started writing me on Facebook. Il a commencé à me draguer. He started womanizing me. Bah, c'était un homosexuel. He was an homosexual. Tu ris, hein? Faut rire. Il m'a dragué même pendant 6 mois. He womanized me during 6 months. Et je causais avec lui pour savoir ce qui se passe dans sa tête. I was talking with him to know what is happening in his mind. Un intellectuel. An intellectual. Deux doctorats. Two PhD. Il me dit, he told me, moi je finance ton église. I finance your church. Et on se voit. Chambre telle à l'hôtel La Falaise. Je lui ai dit que mon petit, c'est mon grand frère. Je lui ai dit mon petit, I told him, guy, j'ai pas de problème d'argent. I don't have problems of money. Je veux que ton âme soit sauvée. I want your soul to be saved. Ce qui m'intéresse dans son histoire, c'est que what interests me the story is that sur sa page, on his page, il publie que des choses de la franc-maçonnerie. He only posts things concerning freemasonry. Il n'a pas honte. He's not ashamed. De la franc-maçonnerie. Of freemasonry. He's not ashamed. Toutes les réunions en France, à Lyon, il publie. All the meetings everywhere he posts. N'a pas honte. He's not ashamed. Parce que c'est un maître. Because he's a master there. Mais toi. But you. Pour on publie une affiche de l'église. Post concerning the ça, church. Tu traverses ça comme le taxi plein. You don't even like. Mais tu veux que le Dieu de l'église la change ta vie. But you want the God of that church to change your life. Tu n'iras nulle part. You will go nowhere. Jésus dit que si vous avez honte de moi devant les hommes, if you are ashamed of me before men, j'aurai honte de vous devant mon père. I'll be ashamed of you before my father. J'ai vu en Afrique du Sud, I saw in South Africa, fausse vraie résurrection d'un mort dans l'église du pasteur Alf Lukao. Fake or real resurrection of a dead in the church of the prophet. L'église s'est encore agrandie. Les chrétiens ont dit que ce soit vrai, que ce soit faux, notre pasteur, c'est notre pasteur. Real son Dieu, c'est notre Dieu. On est avec lui, bango, bango. Real or fake, the members of the church remained. On l'a insulté sur Internet. He was insulted on Internet. Alors où nous parlons? Actually, l'apôtre Suleiman, Apostle Suleiman, est saboté dans son pays. He's landed in his country. Mais son église ne fait que grandir. But his church is not going ahead. Il ne fait que faire les croisades. He's just organizing crusades. Parce que ses chrétiens, because his members, connaissent qui est son Dieu. Know who is his vrai God. Ou faux? Real or fake?
notre Cameroun si. But our Cameroon. Et vous vous posez la question. And you wonder. Pourquoi vos vies ne changent pas? Why your life don't change? Vous n'êtes pas vrai. You are not real. Vous êtes des calculateurs. You just calculate. Et c'est l'esprit là. And that spirit. Qui va vous faire échouer? That will make you fail. Quelqu'un te dit en face. Somebody tells you in face. Même si tu me dis quoi, je passe le marabout. No matter what you tell me, I will go to see the witch doctor. Enlève l'envoi. Remove it, we say. Quelqu'un te dit en face. Somebody tells même you. Même si tu me dis quoi. No matter what you tell Maman me. Maman Marie, c'est ma mère. Enlève-la. Marie is my mother. Remove it. Elle ne veut pas savoir si Marie vit, Marie est morte, Marie est vraie. C'est sa mère. She just said that she is her mother. Mais toi. But you. Ton Jésus là, tu parles de Jésus comme c'était ton, c'était une personne banale. Talk about it as if he was a simple person. Tu ne sens pas dans ton corps que tu parles de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Don't feel in your body you are talking about somebody. Tu n'iras nulle part. You will go nowhere. La Bible déclare. Bible declares. Daniel a dit. Daniel said. Daniel a dit. Daniel said. Quand le roi est venu l'appeler le matin. When the king came to call him in the morning. Et le roi dit Daniel, Daniel. And the king said Daniel. Daniel répond au roi. Daniel replied, O king. Vis éternellement. Live forever. Daniel, tu vis. Daniel, are you living? Et Daniel dit au roi. And Daniel told the king. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Le roi demande même à Daniel. The king asked Daniel. Est-ce que le Dieu que tu sers avec fidélité. The God you are serving in faithfulness. T'a délivré des lions. Did he deliver you from lions? Daniel répond au roi. Daniel replied to the king. Mon Dieu. My God. N'a pas dit Dieu. Il a dit mon Dieu. Est-ce que tu as ton Dieu? Est-ce que tu crois à ce Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux confesser que à la présidence mon Dieu va me garder? À la primature mon Dieu va me garder. Dans mes affaires mon Dieu Jésus Christ va me garder. Même si mes affaires sont à terre, mon Dieu Jésus va me relever. Même si ma situation est catastrophique, même si je suis saboté, même si je suis humilié, est-ce que tu peux confesser mon Dieu Jésus? Est-ce que tu peux confesser mon Dieu Jésus? Mon Dieu Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux confesser dans tes problèmes comme mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu? Il y a une soeur ici, elle devait être consacrée. Chante. Ça, elle est partie voir sa mère. Sa mère lui a dit, comme tu as gâté ta vie, tu es dans l'église du sorcier là. Sors de ma maison. Elle est revenue ici. Elle me dit demande des conseils. Je ne réponds pas. Elle a continué à prier. Aujourd'hui, elle m'écrit. Elle me dit, mon Dieu m'a donné le travail. Amen. J'ai eu un bon travail. Hey. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans les problèmes, tu restes fidèle à ton Dieu, il te fera quitter des problèmes. Amen. Il t'amènera dans les solutions. Amen. Si dans les difficultés, tu restes fidèle à ton Dieu, il t'enlèvera des difficultés. Hey. Il t'amènera dans les solutions. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Daniel a dit, mon Dieu a envoyé son ange. Je prophétise, dans les moments difficiles, ton Dieu enverra son ange. Amen. Dans les tribulations, ton Dieu enverra son ange. Amen. Dans les blocages, ton Dieu enverra son ange. Amen. Même si tout le lieu de service a fait des complots contre toi, ton Dieu va te justifier. Amen. Ton Dieu va te relever. Amen. La Bible déclare, mon ennemi, ne te moque pas de moi, même si je suis dans les ténèbres. Même si je suis tombé, mon Dieu va me relever. Amen. Je viens dire à un homme d'affaires. Je viens dire à une femme d'affaires. Je dis à un homme politique. Je dis à un cadre d'entreprise. Quel qu'en soit le problème dans lequel tu es, ton Dieu qu'on appelle Jésus-Christ va te relever. Amen. Va te relever. Amen. Va te relever. Amen. Je ne connais pas comment tu as commencé l'année, mais je t'annonce que cette année, ça finira bien. Amen. Ça finira bien. Amen. Ça finira bien. Amen. Ça finira bien. Amen. Je te parle de Jésus-Christ. Yes. C'est ce Dieu-là. Hey. Il n'est pas une simple personne, mais il est le Dieu éternel. Amen. En Jésus-Christ, il y a El Shaddai. Yes. En Jésus-Christ, il y a Adonai. Amen. En Jésus-Christ, il y a El Elyon. En Jésus-Christ, il y a Jéhovah Jireh. En Jésus-Christ, il y a Jéhovah
ici. En Jésus-Christ, il y a Dieu Barapha. Je parle à quelqu'un. Le Jésus-Christ que nous prêchons. De ton problème, il sortira la solution. De ta difficulté, il sortira la solution. Je viens prophétiser. Cette année, même si les autres meurent, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Jamais. Tu ne seras pas atteint. Jamais. Tu ne seras pas atteint. Jamais. Je viens t'annoncer. Yes. Même si à l'heure où je parle, tu fais les mauvais rêves. Je viens te dire, ton Dieu n'a pas permis que tu meurs. Jamais. Tu ne mourras pas. Jamais. Tu ne mourras pas. Jamais. Tu ne mourras pas. Jamais. Même si là où tu travailles, le poison circule. Ça va t'esquiver. Amen. Ça va t'esquiver. Amen. Même si là où tu travailles, les gens ont le femme là. Les gens ont le con. Ton Dieu te protège. Amen. Ton Dieu te protège. Amen. Ton Dieu te protège. Amen. Même si on a mis ton nom dans la liste des futurs venteurs, tu n'es pas vendable. Jamais. Tu n'es pas vendable. Jamais. Même si on t'a annoncé qu'on veut te manger, ta chair n'est pas mangeable. Jamais. Ta chair n'est pas vengeable. Jamais. Ta chair n'est pas vengeable. Jamais. Ta chair n'est pas mangeable. Jamais. Je viens dire à une maman, je dis à un papa, ton Dieu protégera tes enfants. Amen. Ton Dieu protégera ta famille. Amen. Ton Dieu protégera tes frères. Amen. Cette année, je prophétise, dans la grandeur, tu seras maintenu. Amen. Dans la grandeur, tu seras positionné. Amen. Dans la grandeur, tu seras positionné. Amen. Tu seras distingué. Amen. Tu seras honoré. Amen. Je prophétise. Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, te prend par la main. Hey. Il t'amène dans la gloire. Amen. 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 Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je confesse. Je confesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Je suis béni. Je suis protégé. Je suis protégé. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis distingué. Je suis distingué. Pendant que je prie. Pendant que je en prie. Claquant les mains. En claquant les mains. Je confesse. 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 Prie ce soir. Prie ce soir. Ouvre ta bouche et commence à confesser. Et commence à confesser. Confesse ce soir. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis élevé. Est-ce que tu peux confesser ce soir? Est-ce que tu peux confesser ce soir? Que je suis béni. Je suis prospère. Je suis protégé. Je suis élevé. Je vais de gloire en gloire. Je suis dans les hauteurs. Je vais de gloire en gloire. Est-ce que tu peux confesser ce soir? Est-ce que tu peux confesser ce soir? Que tu es béni, que tu es protégé, que tu es élevé. Confesse ce soir. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen comme le tonnerre. Amen. Deuxième sujet de prière. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord ou du Sud. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Tu vas confesser ce soir que ton Dieu va t'élever. Amen. Écoute-moi, ne compte pas sur une position, mais compte sur ton Dieu. Donc on appelle ça prière de folie. Ne dis pas, non, on a amené mon dossier quelque part. Considère que ton dossier n'est nulle part. Mais du ciel viendra ton dossier. Yes. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je confesse ce soir. Je confesse ce soir. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Qui est mon Dieu. Qui est mon Dieu. En cette année. En cette année. Va m'élever. Va m'élever. Élever mes frères. Élever mes frères. Élever mes enfants. Élever mes enfants. Élever ma famille. Élever ma famille. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. Je confesse. Je confesse. Mon Dieu m'élève. 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 Je confesse ce soir que mon Dieu m'élève. Je confesse ce soir que mon Dieu me bénit. Je confesse ce soir que mon Dieu me prend de zéro à héros. Je confesse ce soir. Je confesse ce soir. Je confesse ce soir que je quitte du manque pour l'abondance. Je quitte du manque pour l'abondance. Je quitte de la pauvreté pour la richesse. Je confesse ce soir que je suis protégé. Je confesse ce soir
Que mon Dieu me bénisse. Que mon Dieu me fait du bien. Que mon Dieu fait du bien à ma soeur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Troisième sujet de prière. Lorsque Dieu devait lever David, il avait un obstacle appelé Eliab. C'est un parasite. Il a esquivé. Il avait un obstacle appelé Goliath, qui était un adversaire. Il y a des ennemis qui seront sur ton chemin cette année pour t'empêcher de toucher ton argent, pour t'empêcher de monter ton entreprise, pour t'empêcher d'être nommé. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Tu vas prier. Tu vas prier. Tout ennemi, tout Goliath sur mon chemin, le chemin de mes affaires, de ma carrière professionnelle, en cette année, au nom de l'Éternel, je les écrase. J'y perds au nom de Jésus. J'y perds au nom de Jésus. Que tout ennemi de mon élévation, de ma promotion, de ma distinction, de ma bénédiction, appelé Goliath en cette année, au nom de Jésus, je les renverse. Pendant que je prie, commence à prier au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Claque les mains, je les renverse. 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 Je les renverse. Je les renverse. Alors que j'ai pris, je les renverse. Je les renverse. Yes, 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 yes. Je les renverse. Yes, 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 yes. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Yes. Personne ne reste debout. Les ennemis. Et je les renverse. De mes fiançailles. Je les renverse. De mon mariage. Je les renverse. De mon entreprise. Je les renverse. De mon ministère. Je les renverse. De la chapelle de la grâce. Je les renverse. De notre expansion. Je les renverse. De mes finances. Je les renverse. 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 En claquant les mains. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Pendant que je prie. Je les renverse. En claquant les mains. Je les renverse. Pendant que je prie. Je les renverse. Je les renverse, les ennemis de ma gloire, les ennemis de mon élévation, les ennemis de ma bénédiction, en cette année, présents sur mon chemin, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Au nom de Jésus, amen. Amen. Quatrième sujet de prière. La Bible dit que Dieu a dit à Zorobabel, si toi qui as commencé à bâtir cette maison, tu vas l'achever. Et qui es-tu, montagne? Il y a des montagnes qui se sont dressées et qui vont se dresser sur ton chemin parce que Dieu sait que tu es un bâtisseur. Il y a des choses à bâtir cette année, des entreprises à bâtir, des immeubles à bâtir, des ministères à bâtir, des vies à bâtir. Ta famille doit être bâtie cette année. Il y a des montagnes sur ton chemin. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toute montagne, que toute montagne mandatée contre mes projets, contre mes projets en cette année, en cette année, pour m'empêcher, pour m'empêcher de bâtir mes entreprises, de bâtir mes entreprises, de bâtir mon ministère, de bâtir mon ministère, de bâtir ma famille, de bâtir ma famille, que cette montagne soit aplanie, que cette montagne soit aplanie, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, renverse les montagnes, renverse toute personne qui est une montagne pour t'empêcher de prospérer, je la renverse, renverse toute montagne pour m'empêcher d'évoluer, empêcher mon ministère de briller, je la renverse, empêcher mes entreprises de monter, je la renverse, je 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 renverse, prie, 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 toute montagne, toute montagne qui va t'empêcher d'atteindre l'objectif, qui va t'empêcher de voir le bout du tunnel, qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif, prie ce soir que la montagne, la montagne, la montagne soit planée, qu'elle soit renversée, qu'elle soit renversée. Cette montagne dans ton business, cette montagne dans ton projet, cette montagne dans ton mariage, cette montagne dans ton ministère. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Cinquième sujet de prière. Aman. Aman devait empêcher Amadoché d'être élevé. Et Aman parlait à l'oreille du roi. Il y a des grands que tu connais
Et à côté d'eux, il y a des amans. C'est eux qu'on va découper maintenant. Mon ami, si le roi doit te faire du bien et que Aman n'est pas pendu, tu ne seras jamais bien. Si tu es sentimental, arrête de prier. Parce que la prière de maintenant, là, c'est une bataille pour ta vie. C'est une bataille pour tes frères. C'est une bataille pour tes soeurs. C'est même une bataille pour l'église. Parce que si Aman tombe et toi tu es levé, l'église sera bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout Aman qui empêche que je sois aidé. Qui empêche que je sois aidé. Qui empêche que je sois élevé. Qui empêche que je sois élevé. Qui empêche que je sois dans la promotion. Qui empêche que je sois dans la promotion. Qui empêche que j'entre dans ma bénédiction. Qui empêche que j'entre dans ma bénédiction. Je le renverse. Je le renverse. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Au nom de Jésus. Je le renverse. Aman qui bloque mes financements. Je le renverse. Aman qui bloque mon mariage. Je le renverse. Aman qui bloque ma nomination. Je le renverse. Aman qui bloque ma promotion. Je le renverse. Aman qui bloque ma distinction. Je le renverse. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu connais le Aman là. C'est lui qui fait les faux rapports sur toi. Renverse. C'est lui qui parle mal de ta mère. Renverse. C'est lui qui parle mal de ton père. Renverse. C'est lui qui dit que tu es dans les églises. Hey. C'est lui qui dit que tu fais le fétichisme. Renverse. Renverse Aman. Renverse. La Bible déclare. Hey. La vie et la mort hey. Sont au pouvoir de la langue. Yes. La Bible déclare. Hey. Toute âme forgée contre toi ah. sera sans effet. Yes. Mais toute langue hey. Qui se lève contre toi, hey. Tu vas la condamner. Yes. Condamne Aman. Condamne. Condamne Aman. Condamne. Condamne Aman. Condamne. Condamne Aman. Condamne. 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 Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Il y a les Judas. Il y a les Judas qui sont dans ta vie, qui sont à côté de toi, qui veulent te trahir, qui t'ont même déjà trahi et qui vont encore te trahir. Ce soir, yes. Judas doit mourir. Amen. Il y a des gens qui sont à côté de toi pour prendre les informations pour aller te livrer. Mm. Tu fais tes projets en silence. Mm. Ils récupèrent tes projets. Mm. Ils vont te livrer en sorcellerie. Mm. On les appelle des Judas. Mm. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout Judas dans ma vie. Que tout Judas dans ma vie. Soit exposé par le feu. Soit exposé par pendant le que feu. Je prie. Pendant que je prie. Maé. Hey. Dans mon entourage. Oh, yeah. Dans cette église. Ils soient exposés. Dans ma famille. Exposés. Parmi mes frères. Exposés. Parmi mes sœurs. Exposés. Parmi mes enfants. Exposés. Parmi mon ex. Exposés. Parmi mon père. Exposés. Ma mère. Exposés. Mes anciens amis. Exposés. Mon ancien mari. Exposés. Mon ancienne femme. Exposés. Mon ancien fiancé. Exposés. Le père de mon enfant. Exposés. La mère de mon enfant. Exposés. Hey. Hey. Exposés. Exposés. Tous les Judas. Exposés. 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 Par le feu. Exposés. Tous les Judas. Exposés. 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 Par le feu. 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 Exposés. Prie bien. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu vas prier, mon ami. Maintenant, tu vas prier que le cœur d'un roi soit tourné en ta faveur. Tu connais le roi là, tu cites son nom. Que le cœur d'un grand soit tourné en ta faveur. Amen. Ça, c'est l'année de la grâce sur la grâce. Amen. Tous les grands que tu vas rencontrer vont te donner au-delà de tes attentes. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je décrète ce soir. Je décrète ce soir. Que le cœur. Que le cœur. De tous les rois que je connais. De tous les rois que je connais. De tous les grands que je connais. De tous les grands que je connais. Même ceux que je ne connais pas. Même ceux que je ne connais pas. Ceux que j'ai rencontrés. Ceux que j'ai rencontrés. Ceux que je vais rencontrer. Ceux que je vais rencontrer. Que le cœur. Que le cœur. Soit tourné en ma faveur. Soit tourné en ma faveur. Pendant que je prie. Bon,
temps que je en claquant prie, les mains, en claquant les que mains, le cœur soit tourné à ma faveur, les Camerounais, les Africains, les expatriés, les Libanais, les Turcs, les Français, les Européens, les Américains, les Canadiens, les Arabes, les Chinois, que le cœur soit tourné à ma faveur, les autorités, que le cœur, mon chef, mon directeur, le ministre, le président du Sénat, le président du Conseil de la magistrature suprême, le président de l'Assemblée nationale, que son cœur, le ministre des Finances, que son cœur, le ministre de l'Économie, que son cœur, le ministre de la Défense, que son cœur, soit tourné à ma faveur, soit tourné à ma faveur, soit tourné à ma faveur, que son cœur, le colonel, son cœur, le général, que son cœur, les hommes d'affaires, son cœur, les grands, son cœur, les leaders, son cœur, les financiers, son cœur, les hommes d'affaires, son cœur, les hommes d'affaires, son cœur, à ma faveur, 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 son cœur, au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Tu vas prier maintenant qu'un parfum de grâce soit répandu sur ta vie. Il y a des mauvais parfums qu'on a jetés sur nos vies. Ça fait en sorte qu'à partir d'une certaine distance, ces parfums nous repoussent. Tu vas demander à Dieu de pulvériser sur ta vie un parfum de grâce. Amen. Seulement à partir de l'odeur que tu vas dégager, on va te faire du bien. Amen. On va t'apprécier. Amen. On va t'aimer. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dépose sur ma vie. Dépose sur ma vie. Un parfum de grâce. Un parfum de grâce. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Un parfum de grâce. Un parfum de grâce. Dans mes relations. Dans mes relations. Un parfum de grâce. Un parfum de grâce. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Un parfum de grâce. Un parfum de grâce. Dans ma famille. Dans ma famille. Un parfum de grâce. Un parfum de grâce. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Dépose sur ma vie. Dépose sur ma vie. Un parfum de grâce. Un parfum de pendant grâce. Pendant que je prie. En claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, oh Dieu, dépose sur ma vie un parfum de grâce, dépose sur mes affaires un parfum de grâce, dépose sur mes projets un parfum de grâce, dépose sur mes relations un parfum de grâce, dépose sur ma destinée un parfum de grâce, dépose sur mon ministère un parfum de grâce, dépose sur moi un parfum de grâce, un parfum de grâce, un parfum de grâce. Oh Dieu, ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Mon ami, on va prier. Aujourd'hui, là, c'est la prière. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toutes les portes. Que toutes les portes. Fermez sur mon chemin. Fermez sur mon chemin. Dans cette année. Dans cette année. Partout où j'arriverai. Partout où j'arriverai. Que les portes s'ouvrent. Que les portes là s'ouvrent. Là où il n'y a pas de porte. Là où il n'y a pas de porte. Que les portes se créent. Que les portes se créent. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Que les portes se créent. Que les portes se créent. Dans mes finances. Dans mes finances. Que les portes se créent. Que les portes se créent. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Que les portes se créent. Que les portes se créent. Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant. Ouvre les portes. 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 Yes, 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 yes. Oh Dieu. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Seigneur Jésus. Dans ma vie, pour ma nomination, pour ma distinction, pour ma connexion, ouvre les portes. Yes. Ouvre les portes. Ouvre. Dans mon ministère. Ouvre. Dans le monde entier. Ouvre. Ouvre les portes. 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 Pour mon mariage. Ouvre les portes. Pour mes fiançailles. Ouvre les portes. Pour mes enfants. Ouvre les portes. Pour ma femme. Ouvre les portes. Pour mon mari. Ouvre les portes. Pour mon père. Ouvre les portes. Pour ma mère. Ouvre les portes. Pour mon frère. Ouvre les portes. Pour le pasteur. Ouvre les portes. Pour les anciens. Ouvre les portes. Oh Dieu. Ouvre les portes. 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 Cette année. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Cette année. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Cette année.
Ouvre les portes. Ouvre les portes. Cette année. Yes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Pour ma famille. Ouvre les portes. Les hommes d'affaires de ma famille. Ouvre les portes. Les femmes d'affaires de cette église. Ouvre les portes. Les hommes d'affaires de cette église. Ouvre les portes. Les entrepreneurs. Ouvre les portes. Les cadres d'entreprise. Ouvre les portes. Les chefs d'entreprise. Ouvre les portes. Seigneur. Ouvre les portes. 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. Tu vas prier pour la santé. Mon ami, quand Dieu te bénit, le diable t'envoie la maladie. Il n'a pas tué Job, mais il a rendu Job malade. Mm. Je ne connais pas la maladie qu'on peut lancer sur ta vie. Mm. Ou bien tu es même déjà malade. Ce soir-là, la maladie n'a pas. Mm. Personne ne sort ici étant malade. Mm. S'il y a un semblant de VIH dans ton sang, il y a un semblant de début de cancer dans ton sang, il y a un semblant d'hépatite dans ton sang, il y a un semblant de diabète dans ton sang, il y a un semblant de fibrome dans ton corps, ce soir ça part. Amen. Dis Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, dans cette année, que toute maladie mandatée par l'enfer, contre ma vie, contre ma vie, contre ma famille, contre ma famille, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, pendant que je prie, pendant que je prie, toute maladie, mandatée contre ma vie, retour, toute maladie, les cancers, retour, les hépatites, retour, les diabètes, retour, les VIH, retour, les sida, retour, les fibromes, retour, les myomes, retour, les kystes, retour, hypertension, retour, les diabètes, retour, ulcère d'estomac, retour, cancer du foie, retour, douleur dans la tête, retour, douleur dans le cou, retour, douleur dans le dos, retour, mal de nerf, retour, mal de dents, retour, sinusite, retour, perte de mémoire, retour, folie, retour, mal de tête, retour, 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 toute maladie, retour, mandatée contre moi, retour, contre mon frère, retour, contre ma soeur, retour, contre mon enfant, retour, en cette année, retour, je dis retour, 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 retour. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Avant d'y aller, sujet de prière, tu vas chasser la mort. Personne parmi nous ne meurt cette année. Ton amen m'inquiète. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dans cette année. Dans cette année. De tout esprit de mort. De tout esprit de mort. Mandaté contre moi. Mandaté contre moi. Contre mes frères. Contre mes frères. Mes enfants. Mes enfants. Ma famille. Ma famille. Mon église. Mon église. Je déclare. Je déclare. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Tout esprit de mort. Retour. Mandaté contre ma famille. Retour. Cette année. Yes. Je déclare. Hey, au nom de Jésus, retour, je ne meurs pas. Retour, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Paul Zang ne meurt pas. Jamais. Aucun pasteur ne meurt. Jamais. Aucun ancien ne meurt. Jamais. Aucun évangéliste ne meurt. Yes. Aucun assistant pasteur ne meurt. Hey, aucun serviteur ne meurt. Personne. Aucun diacre ne meurt. Personne. Aucun fils de la chapelle de la grâce ne meurt. Personne. Aucun membre de ma famille ne meurt. Jamais. L'ange de la mort. Hey, je te chasse. Hey. Esprit de mort. Yes. Démon de mort. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Tout esprit de mort. Je te chasse. Mandaté par l'enfer. Je te chasse. Venu de l'enfer. Je te chasse. Contre ma mère. Je te chasse. Contre mon père. Je te chasse. Contre mes frères. Je te chasse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen bien. Dernier sujet de prière. Ce qui a sauvé Joseph en Égypte, c'est que son père avait déposé un manteau sur lui. Même lorsque ses frères ont arraché le manteau, l'esprit du manteau est resté. Lorsque Jésus est dans le désert, Satan peut le regarder en face. Mais après que Satan soit parti, il a été revêtu. Le revêtement, c'est le manteau. La dernière prière que tu vas faire, tu vas dire au Seigneur de déposer un manteau de grandeur sur ta vie. Un manteau de gloire. C'est le manteau là qui te fera arriver quelque part. Même si tu n'es pas compétent, le manteau va parler pour toi. Même si tu es disqualifié, le manteau va te qualifier. Tu vas dire au Seigneur de te donner le manteau de la distinction, le manteau de la grandeur, le manteau de la nomination, le manteau de la promotion,
le manteau de l'honneur. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dépose un manteau. Dépose un manteau. De la distinction. De la distinction. Sur ma vie. Sur ma vie. Le manteau de l'honneur. Le manteau de l'honneur. Le manteau de la grandeur. Le manteau de la grandeur. Le manteau de l'honneur. Le manteau de l'honneur. Le manteau de la promotion. Le manteau de la promotion. Le manteau de la bénédiction. Le manteau de la bénédiction. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Yes, 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 yes. Cette année, ô Dieu, sur cette église, dépose le manteau de la grandeur, dépose le manteau de l'honneur, dépose le manteau de la faveur, le bonheur et la grâce nous accompagneront, la prospérité nous accompagnera, la protection nous accompagnera. Dépose sur nous le manteau, qui va nous distinguer. Yes. Le manteau. Qui va nous positionner. Yes. Le manteau. Le manteau. Qui va nous honorer. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Dans nos affaires. Le manteau. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Le manteau. Le manteau. Qui va nous faire surpasser les limites. Le manteau. Les limites financières. Le manteau. Le manteau qui va briser les limites. Le manteau. Les limites du célibat. Le manteau. Les limites du veuvage. Le manteau. Les limites du divorce. Le manteau, qui va briser le manteau, les limites du rejet. Le manteau, le manteau, qui va briser, hey, qui va briser le manteau, le manteau, le manteau. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, Église. Puissant guerrier, fort dans les combats. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je sens l'atmosphère surchargée de la présence de Dieu. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Lève simplement tes mains maintenant. Au son du piano, personne ne chante. Sois connecté. Je vois des gens connectés à l'étranger. Il y a une présence de Dieu qui commence à remplir des personnes. C'est le manteau là qui descend. Un manteau pour la grandeur. Hey. Localise 28 personnes. 28 personnes. Puissance de Dieu. Yes. Un manteau pour la gloire. Hey. Localise 12 personnes. 12 personnes. Tu reçois. Reçois. Un manteau pour la nomination. Hey. Je suis en train de dire à 3 personnes. 3 personnes. Cette année, voici le manteau. Yes. Pour ta nomination. Reçois. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Reçois. Prends ça. Reçois. Onction de Dieu. Reçois. Onction de Dieu. Il y a le manteau pour le mariage. Sur 25 personnes. Le manteau pour le mariage sur 25 personnes. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Le manteau pour la gloire. 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 Reçois. Je parle de deux personnes. Deux personnes. Il y a une gloire qui va choquer les ennemis de ta famille. Hey. Il y a deux personnes ici. Michael. By your power, power. Hey. Power. Power. Flow. Power. Flow. Power. Flow. Power. Flow. Power. Flow. Je prophétise. Hey. Le manteau de la gloire. Yes. Descend dans la salle. Yes. Madame. Hey. Monsieur. Hey. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Reçois. Rejeté. Hey. Le manteau de la gloire te positionne. Reçois. Humilié. Hey. Le manteau de la gloire te positionne. Reçois. La Bible déclare. Hey. Joseph a dit à ses frères. Michael. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé. Hey. Changé. Hey. Monsieur, je te parle. Yes. Ta vie n'est pas au niveau de ta mère. Hey. Ta vie n'est pas au niveau de ton père. Hey. Tu es un spécimen rare. Oh. Le Seigneur te connaît. Yes. Le Seigneur t'a appelé. Amen. Voici l'onction qu'il te fallait. Maintenant. Voici l'onction qu'il te fallait. Reçois. Le Seigneur te localise. Reçois. Puissance. Yes. Puissance. Localise. Puissance. Localise. Arrêtez cette soeur. Yes. My God. Hey. My God. Hey. Onction de Dieu. Yes. Onction de Dieu. Localise. Onction de Dieu. Localise. My God. Hey. Lève tes mains là-bas. Yes. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Hey. Là où tu es, quel qu'en soit le pays, je prophétise. Yes. Le manteau de la gloire. Hey. En cette année, yes. Descends. Reçois. Descends. Reçois. Descends. Reçois. Descends. Reçois. Descends. Reçois. Descends. Reçois. Je prophétise dans ta vie. Yes. Lorsque le manteau a touché Élie, hey. Élisée, hey.
Ça vient changer. Je déclare, tu es Élisée de ta génération. Tu reçois le manteau prophétique. Il y a Élisée ici. Élisée, 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 le manteau qui a su ma vie, localise 22 personnes, le manteau prophétique, le manteau de la délivrance, le manteau de la finance, le manteau de la bénédiction, 22 personnes, puissance, 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 reçois, reçois. J'entends Dieu me dire, il ouvre les yeux de quatre personnes. Il ouvre les yeux de quatre personnes. Il y a deux personnes connectées. Tes yeux s'ouvrent là où tu es. Tes yeux s'ouvrent là où tu es. Tes yeux s'ouvrent là où tu es. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Le Seigneur va t'élever. Il va t'amener dans la grandeur. Dans la hauteur. Là où tu ne t'imagines pas. Il va te connecter au grand. Il va te connecter à la gloire. Il va te connecter plus que ce que tu connais là. Parce que c'est la saison. Pour que son nom soit célébré. Pour que son nom soit glorifié. Tu fais partie du choix de Dieu. C'est toi que Dieu connaît. Parmi tes frères, c'est toi le Joseph. C'est ta saison. C'est toi le Joseph. C'est ta saison. C'est toi le Joseph. C'est ta saison. C'est toi la Joseph. C'est ta saison. C'est toi la Joseph. C'est toi. Esther. 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 C'est toi. Ce que ta main n'a pas fait, tu le feras. Là où ta main a échoué, tu vas réussir. Amen. Là où ton père a échoué, tu vas réussir. Amen. Ils ont frappé ton père avant le temps. Ils ont tué ton père. Ils ont détruit ton père. Mais toi, tu vas réussir. Amen. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. J'entends Dieu me dire, ton grand frère a échoué. Tu vas réussir. Amen. Ta grande sœur a échoué. Tu vas réussir. Amen. Joseph, reçois l'onction. Reçois. Joseph, reçois l'onction. Reçois. Joseph, reçois. Reçois. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Je sens une onction de Dieu puissante en ce lieu. À cette église, à cette église.